Yo les gars, yo les frérots, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme, on est parti pour le deuxième live les gars du jour. Après le stream FIFA de cet après-midi, on va se faire le réac du match FC Barcelone, Real Sociedad les gars qui va débuter dans précisément 26 minutes. La prédiction est d'ores et déjà lancée. N'hésitez pas à voter les gars, match qui va être important. Si je peux dire, pour le FC Barcelone, qui va évidemment avoir à cœur de rattraper un peu les résultats récents qui sont, bah, depuis l'élimination Ligue des Champions, un petit peu piteux. Hein, on va parler français, quoi, hein, c'est compliqué. Et le Barça qui va devoir lutter pour récupérer sa seconde place, dérobée par Riron. L'ogre Riron, les gars, qui mine de rien fait une sacrée, sacrée saison. Donc là, grosso modo, le Barça doit gagner pour repasser devant Riron. Riron est à 75 points, le Barça est à 73. Donc la victoire elle est impérative. La Real Sociedad est 7ème. Il y a un écart avec la 8ème place, donc tout va bien. Mais bon, la Real Sociedad a également des places à gratter pour l'Europe. Donc, voili-voilou, la prédiction est lancée. Quelle équipe mène à la pause? FC Barcelone, personne ou la Real Sociedad, n'hésitez pas à voter. Comme d'habitude les gars, la pub va pop. Ensuite on lance l'avant-match. L'analyse des compositions, comme vous en avez l'habitude les gars. Je vous mets le point d'exclamation vidéo. J'ai sorti une vidéo un petit peu spéciale cet après-midi les gars, en lien avec la vidéo de Passion Gaming. N'hésitez pas à aller poser le like sur cette petite vidéo et puis à me donner vos avis sur FIFA bien sûr. Ça fait plaisir. Je vais noter si jamais on va. J'ai oublié de noter, les gars. J'ai tout préparé à l'arrache. Parce que j'étais dans le jardin à 20h15 encore. Et j'ai eu le temps de tout préparer et j'ai lancé sur le chrono, quoi. Comme j'ai pu respecter le timing, donc je suis content. Mais ouais, j'ai couru, là, j'ai chaud, je vous le dis. Je prends le temps de noter pour les pronos. FC Barcelone. Real Sociedad. N'hésitez pas également du coup à me dire vos pronos. Moi les gars, je le dis 2-0 pour le Barça. Voilà, je suis peut-être trop optimiste, mais j'espère une victoire du FC Barcelone. Moi je dis 2-0 pour le Barça, les gars. Donc n'hésitez pas du coup à voter pour la prédit et à me dire si vous avez un pronos pour le match, les gars. Et je noterai le score. Salut Carolo, ça va et toi? Salut Kylian, comment va Kylian? Comment est-ce la forme? Je vous rebalance les gars, vraiment n'hésitez pas. Oh là là, je suis. N'hésitez pas à aller liker la dernière vidéo les gars que j'ai préparée, que j'ai sortie tout à l'heure. Et voilà, on va dans une minute analyser les compos comme d'habitude et on va passer à l'avant-match. Tranquillou. Tranquillou bilou, j'ai tout. J'ai eu le temps de tout prep, les gars, parce que hier on était en format multiplex, donc c'était pas pareil. Mon chatbox, il fallait tout que je décale. Tout que je change, mais on est bon. On est efficace, c'est très très bien. Ça va très bien. Écoute, ça va nickel, hein, on a fait un bon petit stream FIFA, les gars. Tranquillou. Puis bah là, on va se mater le Barça ensemble, les gars, hein, évidemment. Mon club de cœur en Europe. J'espère en tout cas qu'ils vont récupérer cette seconde place. C'est quand même important. C'est vrai que suite à l'élimination en Champions League, c'est compliqué en ce moment. Quand tu vois la défaite qui suit lors du Classico, la défaite contre Riron. Certes, il y a une victoire contre Valence, mais qui est extrêmement chanceuse. Ça va être compliqué. Alors, je crois que ce soir, il n'y a pas les trophées NFP. Je pense que c'est pas le meilleur mood de réac un match pendant les trophées NFP. Mais en vrai, je m'en fous. Les trophées NFP, les gars, on s'en tamponne un peu. N'hésitez pas, en tout cas, dans le chat. Si vous êtes au courant des résultats, malgré tout, nous en parler. Mais voilà, je préfère quand même réac mon match du Barça tranquillement. Tranquillou, bilou. N'hésitez pas, les gars, à voter pour la prédit. Et nous allons lancer l'avant-match. Du coup, les gars, la composition des deux équipes. J'aurais même créé un truc. Genre le. Ouais, après le classement. Non, c'est pas possible. Bref, du coup les gars, la composition des deux équipes avec le FC Barcelone les gars, je vous avoue, je l'ai mise, j'ai même pas regardé. Ok,
Donc nous avons Marc-André Ter Stegen dans les cages, évidemment. João Cancelo latéral gauche, Inigo Martinez, Cubarsí axe central. Jules Koundé occupera le poste de latéral droit, encore une fois. Du coup, nous avons pas Araujo dans cette équipe, dans cette défense, les gars. Inigo Martinez, je l'ai préféré aujourd'hui. Ancien joueur basque, donc c'est un peu un derby pour lui. Hein, et ancien joueur de Bilbao, qui est évidemment dans le derby basque contre la Real Sociedad. Attends, mais je tente 2-1. Tu mets 2-1 pour la Real Sociedad? C'est ça? La vie, un monde, ça peut se faire. C'est ça le pire. 2-1 Real Sociedad? N'hésitez pas à voter pour la prédit, les gars. Ok, je note. Bam. Au milieu de terrain, les gars, Christensen occupera le rôle de sentinelle. Il sera accompagné de Gundogan Pedri. Donc, je suis très content de voir Pedri titulaire. J'espère qu'il va faire un gros match. Le jeune crack. Le craquito Pedri. Et une attaque type, les gars, avec Rafinha, Yamal qui vont épauler Robert Lewandowski en 9. Donc, le trio habituel. Côté Real Sociedad, nous avons Alex Remiro au cage. Amari Traoré, l'ancien rennais latéral. Elustondo, Romano Normand, Pacheco, Oyarzabal, Merino, Turrientes, Aramburu, Becker et Bryce Mendes. Donc vraiment une très belle équipe aussi également du côté de la Real Sociedad. Il y a de la qualité, on le sait les gars, dans cette équipe qui est habituée. On le rappelle, ils ont été en Champions League cette année, hein, éliminés par le Paris Saint-Germain en 8e de finale. Mais voilà, cette équipe, elle a connu la Ligue des Champions cette année. C'est pas souvent que c'est le cas. Mais c'est une équipe qui est quand même habituée à jouer le haut de tableau. Et à jouer les places européennes. Donc, on le voit, hein, l'effectif, il est quand même évidemment de qualité. Et ça va être un match compliqué pour le Barça. Voilà. Au niveau des duels, ça va être intéressant de voir au milieu de terrain ce qui va se passer. Est-ce que, bon, je pense de toute façon, les gars, évidemment, le Barça aura le ballon. Mais voilà, y a des joueurs de ballon dans les transitions, etc. Je pense que la Real Sociedad peut faire mal. Baker, les gars, je le connais plus sur FIFA que dans la vraie vie. J'ai hâte de voir ce qu'il donne. Je sais que c'est un joueur qui court vite sur FIFA, donc j'imagine que IRL, on est sur un joueur de transition. En tout cas, voilà. Après, au niveau des duels, ouais, je pense que ça va être intéressant de voir Robert Lewandowski qui va se frotter à cette défense basque. Elustondo, Romano Normand. Hâte de voir ça. Et après, voilà, comme d'habitude, hein, on verra les côtés. Hein, on verra Jules Koundé, les gars, face à Oyarzabal. C'est un client quand même, le petit Oyarzabal. Donc, à voir ce qui va se passer. Mais c'est sûr que ça ne sera pas un match simple. Les gars, moi je dis 2-0 pour le Barça, je lève les mains. Hein. Ça ne sera pas un match simple, c'est évident. Hein. Là, ils sont en train de montrer, les gars, sur Bein, tous les buts de Cristiano Ronaldo en Champions League. Ça fait 20 minutes que ça a commencé. Hein. Tellement il a marqué de buts en Ligue des Champions. On est à 130 là. Tout va bien. C'est une folie. Bienvenue à ceux qui arrivent en tout cas. Coup d'envoi dans 18 minutes les gars comme d'habitude. Je vous lancerai la pub pour être tranquille juste avant le coup d'envoi. Et puis voilà, voilà. Si vous n'avez pas pronostiqué dans le chat, n'hésitez pas à me dire un petit prono les gars. Ça fait plaisir. Donc ouais, au niveau du classement les gars, on a le Real qui est... Voilà, hein, le Real, une seule défaite, hein, 6 nuls. 28 victoires. Qui est loin devant Riron et le FC Barcelone, bien sûr. Et voilà, le Barça va devoir gagner pour récupérer cette seconde place. C'est très très important, les gars. À savoir que le Barça rejoue jeudi. Le Barça rejoue jeudi contre Almeria, qui est dernier. Hein. Donc, tu récupères la place maintenant, tu joues contre Almeria, tu gagnes et t'es bien. Normalement. Meilleur buteur côté FC Barcelone, bien sûr, les gars, Robert Lewandowski, avec 17 buts, bon, 8 pénaltys dans le lot quand même, hein, faut le noter, malgré tout. Et côté Real Sociedad, les gars, c'est Mikel Oyarzabal avec 9 réalisations cette saison. Il y a quand même Kubo qui est absent, les gars, hein. Kubo, je sais pas s'il est blessé ou pas. Kubo qui est ouais, un joueur très important. Alors attendez, je vais regarder.
Parce que j'avoue que là, je sais pas. Il est remplaçant, les gars, Kubo. Alors, est-ce qu'il revient de blessure ou pas? C'est assez surprenant de le voir sur le banc. Mais ça, c'est un joueur qui, évidemment, en sortie de banc, peut faire très très mal. Il y a des bons joueurs, hein, de toute façon. Quand t'as du André Silva, Baren Etchea, Kubo, il y a du joueur, hein. Sadik, les gars. Sadik, l'attaquant nigérian. Au match aller, il avait fait très très mal. C'est vraiment un joueur physique et il avait pesé sur la défense du Barça. Je pense qu'attention, son entrée peut être dangereuse. Côté Barcelone, j'espère voir Vitor Roque. On sait que Roque est peut-être en instance de départ. J'espère qu'il va rester, les gars. J'espère vraiment que Roque va rester et on verra s'il va être aligné aujourd'hui. Enfin, s'il va avoir du temps de jeu. Mais j'ose espérer que oui, quoi. S'il vous plaît, sois normal, Xavi. Hop, give me a chance. Hop. Bon, les gars, ce soir, il y a également. Alors, du côté de la Serie A, nous avons Udinese qui a emporté 2 buts à 0 contre Lecce. Ce soir, nous avons également, ce qui est en train de commencer, la FIO contre Monza. Et du côté de la PL, gros choc entre Aston Villa et Liverpool, les gars. Roque Santa Cruz. Roque. Roque Santa Cruz qui est un très bon joueur. Comment il va Carter? C'est Carter qui a voté pour la Real Sociedad, bordel. Ça sent mauvais, ça, du coup, cette histoire. Pronostic, Carter, score final? Pronostic? Est-ce que tu te risques à un prono? Bon, la dernière fois, t'avais dit 3-1 Varsa. Merci. Ça me rassure. La dernière fois, t'avais dit la Sociedad, enfin le Valence, FC Valence qui mène à la pause, c'était le cas. Bon, à la fin, ça n'avait pas fini comme ça, mais en vrai, c'était assez fou. T'avais empoché le jackpot dans l'après-dit, quoi. Coup d'envoi dans 14 minutes, les gars. 14 petites minutes. Je rappelle, les gars, le prochain réac, ce sera mercredi soir. Le match entre Reims et Marseille, les gars, match important pour les Marseillais à la course à l'Europe. S'ils prennent les 3 points, ils se placent très très bien dans cette course. Et je rappelle la dernière vidéo, les gars, vidéo spéciale. Un petit peu coup de gueule sur Yesport FC. En soutien à la vidéo de Passion Gaming, n'hésitez pas à aller checker, à aller liker la vidéo. Ça fait plaisir pour le soutien, tout simplement, les gars. Voili voilou. Voili voilou. Je l'ai mis sur Twitter également, en identifiant le frérot. Nanana, every day. Personne tente le nul pour l'instant. Je regarde un peu ce que ça dit, les gars, sur Twitter aussi. Si on a. Ah, bah, passion qui a repost. C'est carré. J'espère que c'est pas sur Bean 1, les gars. Je suis sur Bean 1. Ah, les gars, c'est bon. On est bon. Sur FIFA, les gars, j'ai même pas checké le contenu qu'il y avait ce soir. Je suis même pas au courant. On verra ça demain après-midi, les gars. Vasquez qui a up? Non, c'est déjà up. Il y a Bissek, Vega qui a up pour moi. Hincapié, Otamendi. Ouais. Ok. Même si j'ai encore un peu de mal à digérer qu'on ait dit adieu à l'Europe et la saison ratée, on se rattrape la saison prochaine, j'y crois. On restait quand même sur 6 qualifications européennes pour une équipe comme Rennes, c'est déjà pas mal. Alors après oui, on est d'accord. Mais c'est vrai que c'est malgré tout une saison décevante dans le principe. Une équipe comme Rennes, justement,
Elle doit continuer dans sa régularité européenne. Alors voilà, c'est raté cette saison. Il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est vrai que c'est dommage de... C'est dommage d'avoir loupé, entre guillemets, cette régularité. Yo, et merci d'avoir voté pour le 2, Madame Albox. Au moins, on a une prédit équilibrée. Après, voilà, c'est surtout dommage, c'est par rapport au mercato que vous avez fait. Parce que là, cette année, vous avez vraiment tapé sur du lourd. Vous avez vraiment... Après, voilà, on sait que la défense, il y a des grosses lacunes. Mais malgré tout, l'équipe, elle est compétitive, tu vois. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas accrocher l'Europe. Je note. Après, le côté pratique, c'est que l'année prochaine... Le côté pratique, c'est que l'année prochaine, vous avez que le championnat. Et là, vous allez pouvoir, à mon avis, dans la logique, vous qualifier, quoi. Enfin, à une coupe européenne, ce sera le minimum. Hein, parce que si l'année prochaine, vous ne vous qualifiez pas, là, ça peut être très compliqué. De à la Sociedad. C'est noté. C'est noté. Espérons que Pedri fasse un bon match et se pète pas. C'est important, hein. Et demain, les gars, demain, on sera sur FIFA. L'après-midi, je ferai les playoffs. Je ferai les playoffs et j'attaquerai Rivals. Merci, Summer. Merci Summer Body pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Merci pour le follow. On n'est pas loin des 7800, les gars. Ça fait plaisir. Merci à vous, hein. Merci, merci. Ah, Pedri, il a fait le dégradé, les gars. Ça va jouer. Je vous le dis. Pedri est en mode dégradé. Personne ne va le toucher ce soir. Alors Robert aussi il a fait le dégradé. Oh là là, ils ont tous fait le dégradé. Ah voilà. Passe décisive de Pedri pour Lewandowski, les gars. Vous le sentez? Je vous le dis, hein. Je vous le call déjà. Coup d'envoi dans 9 minutes, les gars. Je vous le call, hein. La passe D de Pedri pour Robertinho. Qui malheureusement dans le classement des buteurs est un petit peu décroché, hein. Dovbyk, il est à 20 buts. Après un petit triplé aujourd'hui. Robert se replace, hein, malgré une saison compliquée. On verra en tout cas le mercato du Barça qui risque d'être encore une fois mouvementé. Ah bah c'est possible contre la Sociedad. Hein. C'est possible, il y a des très très bons joueurs. Hein. Ça va pas être simple. Moi j'espère en tout cas voilà le mercato qui arrive. Moi j'espère que Victor Roque vont le conserver. Hein. C'est ça qui me fait peur les gars. J'aimerais vraiment que Xavi il arrête. Il a insisté pour que Roque vienne cet hiver au final pour ne pas le faire jouer. Là c'est la fin de saison, fais-le jouer, sois normal quoi. Moi je veux voir Roque qui ait du temps de jeu. Le pire c'est que ses premiers matchs il a été très bon quoi. Genre il a fait des vraies bonnes entrées. Limite les gars à la mi-temps. À la mi-temps, je vous sors une prédit. Est-ce que Victor Roque rentre en deuxième période? En vrai, je crois que je vous mets ça en prédit à la mi-temps. Tétanisant. Complètement d'accord avec toi. Mais pas assez régulier, une équipe pas équilibrée. Le départ de Doku nous a fait mal, il n'a pas été remplacé. Une défense en carton, presque un manque de résultats contre les concurrents directs. Quand tu mets tout ça, on ne peut pas être européen. C'est sûr, moi, après les lacunes, je les vois surtout en défense. Genre un gars comme Doku, certes, ce profil-là. Après, vous avez genre un mec comme Doué, hein. Doué dans ce profil un peu virevoltant, même si c'est pas. Ouais, c'est pas Doku, mais. Pour moi, offensivement, vous avez quand même. Vous avez des joueurs quand même. Pour moi, c'est pas offensivement le problème, quoi. Après, j'ai pas assez vu de match pour juger, tu vois. Mais de ce que j'ai vu, moi, c'est la défense. Genre un mec comme Omari.
Je l'ai vu faire des boulettes, je sais pas combien de boulettes cette année en fait. Enfin, c'est un bon jeune, mais je vois souvent Omari qui fait une boulette quoi. Alors à mon avis, c'est un peu inquiétant, tu vois. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi qui suis tous les matchs, mais moi, le peu que je vois d'Omari, c'est il fait une boulette quoi. Ça manque d'expérience derrière quoi. C'est un peu tendre. Après voilà, sinon au niveau offensif, pour moi, t'as quand même de la créativité, hein. T'as vraiment de la créativité sur le terrain quand même. Quand tu peux t'appuyer sur des joueurs comme Amine Guiri, Enzo Lefebvre, t'as même le Ludo Blas. J'oublie, t'as Bourigeaud, t'as quand même des joueurs de ballon, hein. D'accord avec toi, on a une défense en carton presque, et lui, il nous a coûté énormément de points. Alors après, voilà, de ce que j'entends, c'est quand même un jeune à potentiel, tout ça, mais c'est vrai que je te jure que j'ai vu beaucoup de résumés où il fait des bourdes, quoi. Et ça, c'est, voilà, c'est compliqué, hein. Pareil, attends, bon là, ça se trouve, j'ai de la merde. Vous avez qui en latéral droit pour remplacer Amari Traoré? Parce qu'Amari Traoré, ça vous a fait un trou aussi, hein. C'était quand même un bon latéral en Ligue 1, hein. Amari Traoré, d'ailleurs, qui va jouer ce soir avec la Real Sociedad. C'est quand même un bon joueur, hein. J'avoue que là, de tête, je sais même pas c'est qui. Sinon, vous avez Guela Doué. Ou Désiré Doué, je sais plus c'est lequel. Mais bref, vous avez Doué en latéral droit. Il est pas mauvais, mais Amari Traoré, c'était fort quand même. On va les vestir, les gars de la Real Sociedad. Toujours intéressant, j'aime bien avoir des images de vestiaire comme ça. T'as 50 000 paires de crampons, 50 000 paires de claquettes. Sur le départ de notre capitaine, nous a fait très mal et pour moi, il n'a pas été remplacé car c'est des jeunes qui jouent à sa place. Ouais, je pense que Doué, ça manque un peu, pareil, d'expérience, de bouteille, quoi. Évidemment. Allez, on va pas relancer de musique. Hop. On va se diriger vers le coup d'envoi gentiment. Ich. Changement de casque. Non, le mot de change, je le fais pas. Je le fais que pendant FIFA. Donc je te rends tes points. Sois normal. Y a pas de musique. C'est pas pour les réacs, faudra que je mette que pour FIFA certains trucs. D'ailleurs, il faudrait que je trouve des idées pour la saison prochaine de récompenses de points de chaîne. Je vous balance la pub, les gars. Je vous balance la pub. C'est bientôt le coup d'envoi, comme ça on est tranquille. C'est bon. Point rendu. Point rendu. Il reste 3 minutes pour la prédit, les gars. Si jamais 3 minutes, si vous n'avez pas voté. Quelle équipe mène à la pause? On a 500 points sur le FC Barcelone. On a 2100 sur le nul. Et on a 1480 sur la Real Sociedad. Les joueurs sont dans le vestiaire et vont bientôt pénétrer sur la pelouse. Est-ce que Yamal va encore nous faire de la magie? Aïe aïe, Pedri. Pedri rasé de près en plus. Aïe aïe aïe, ça va jouer les gars. Pedri en mode rasé de près. Dégradé. Soit il fait une passe D, soit il se blesse à la 10e minute. Alisque. Ah, balle D. Enfin, il joue pas, hein, mais. Gavi en mode civil. Ah, ils ont tous fait la coupe en fait. Je crois qu'ils ont tous été au coiffeur en même temps. C'est pas possible.
Non mais ils ont tous fait la coupe, tous. Effrayant. Ils ont tous été chez le même coiffeur Rouya. C'est tétanisant. Contre Inigo Martinez, bordel. C'est pas rassurant, hein. Inigo titulaire, bon. C'est relativement inquiétant, ça aussi. Après, attendez. Alors, toc. Hop. Du côté du Barça, sur le banc, on a qui? Eh, Araujo est remplaçant, hein. Et il a intérêt à marquer des points, Inigo Martinez, hein, parce qu'il a mis Araujo sur le banc. T'as quand même un banc de qualité, hein. Mine de rien. Allez, je vous mets l'ambiance, tac. On est bon. Les joueurs font leur entrée sur le terrain. Il n'y a plus qu'à. Barça. Putain. Franchement, les gars, par contre, s'ils gagnent pas là, ils reprennent pas la deuxième place. Je pense que c'est mort, hein. Vraiment, un match important et décisif. Barça qui a une cote à 1,65, les gars. Et Real Sociedad à 4,70. Putain, j'ai presque lancé la pub trop tôt. Enfin, c'est eux qui sont un peu en retard là. Ça fait les photos, machin. Et bon match à tous, en tout cas, si vous regardez ce match. Après, voilà, je sais qu'il y a les trophées UNFP en même temps, donc j'imagine que beaucoup vont regarder ça. Après, généralement, il n'y a jamais de surprise dans ces trucs-là. On connaît, donc. Voilà, mais n'hésitez pas à me tenir au courant également de ce qui se passe sur les trophées UNFP, hein. Après, quand tu regardes le résumé de la saison, un départ raté à part le premier match, le départ du coach, l'affaire de Matic, des joueurs recrutés qui ont déçu des fois il y a des années comme ça. C'est vrai, non, mais en vrai, t'as raison. Il y a une accumulation de circonstances qui font que, quoi. En vrai, t'as totalement raison. C'est vrai qu'ils n'ont pas Zubeldia et Zubimendi, hein, les gars. Ils n'ont pas Ravigalan, ils n'ont pas Zubeldi et Zubeldia. Donc en défense, ça manque. Puis au milieu de terrain, hein. C'est vrai qu'au milieu de terrain, les gars, Zubimendi, généralement, c'est vraiment le patron. Là, il est absent, donc tant mieux pour le Barça, ça va être Torrientes à la place. On va voir. On verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, voilà, les absences sont quand même notables du côté de la Sociedad. Il est déjà. Les gars, ils sont censés débuter à 21h. Il est déjà 21h02. Et il va y avoir une petite minute de silence. Je sais pas si vous avez entendu, enfin bref. On a respecté également la minute de silence ici. Avec leur petite musique. Allez, ça va débuter. Bon match à tous. Et évidemment, j'espère que le Barça va l'emporter, hein. Allez, on va voir combien d'écart j'ai comme d'habitude.
20 secondes comme d'hab. Allez, bon match à tous, c'est parti. Le long ballon dans le camp de la Sociedad, ça va être récupéré par Torrientes qui va décaler à Amari Traoré qui trouve sur le côté Brice Mendes en une touche. Mendes qui joue avec Becker, dos au jeu, récupération de Pedri, ça va ressortir tranquillement avec Koubarsi dans la défense. Première possession catalane. Koubarsi en possession du ballon qui va décaler Jules Koundé. On revient en retrait. Ter Stegen. Alors le bloc de la Sociedad qui est directement dans le camp barcelonais. Il presse très très haut les gars. Allez, super contrôle orienté de Gundogan. Première faute. Ça c'est une faute. S'il l'a fait 30 minutes plus tard, c'est carton. Hein. C'est déjà une faute d'anti-jeu dès le début comme ça. 50 secondes de jeu. Déjà une faute anti-jeu au milieu de terrain. Sur Ilkay Gundogan. Allez, Martinez, Cancelo. Bien joué sur le côté Pedri. Et Pedri en une touche. C'est très très bien joué Rafinha. Allez, mets-la tout de suite. Devant le but. Ah, elle est trop longue, Robert, il manque de vitesse et ça va être dégagé en catastrophe, en corner, par Pacheco, je crois. Allez, Rafinha, il a pas mis assez d'effet sur ce centre, mais c'était très très bien joué. Pedri qui envoie Rafinha sur le côté, Rafinha, l'accélération est bonne. Malheureusement, il enroule pas assez son ballon, il a tenté la PES à Robert. Le ballon, il est un peu trop long et le défenseur a pu intervenir. Premier corner pour le Barça, ça va être botté par le pied gauche de Rafinha. Il les tire évidemment très très bien. Et c'est direct sur Remiro qui claque. Et la volée de Yamal, c'est pas cadré. Mais dommage. Bien tenté de la mine. 6 mètres, les gars, relance pour les Basques. Le Barça qui est, voilà, évidemment, quasiment la totalité des joueurs dans le camp adverse. Pressing évidemment très très haut des Catalans à domicile comme d'habitude. Remiro du coup est obligé de balancer. Ça va être directement récupéré par Joao Cancelo. Qui va amener, va trouver le 1-2. Et joli Rafinha, Cancelo qui rentre dans la surface. Ah, il a poussé trop loin son ballon. Il a poussé trop loin son ballon. Mauvaise conduite de balle, c'est dommage. C'était un très très bon 1-2 avec le Brésilien Rafinha. En une touche. Malheureusement sur son contrôle, il a poussé son ballon beaucoup trop loin. C'est pas habituel chez lui. Ça gâche une action quand même. Hein. Et on voit Araoro les gars sur le banc. C'est pas habituel. Il a fait la coupe aussi. Ils ont tous été chez coiffeur en même temps, les gars, c'est sûr. C'est pas possible, ils ont tous bien coiffé. Le mec a fait des dreads bleus carrément à Rauro. C'est pour ça qu'il est remplaçant. Bon, le chat, vous avez, les gars. Prochain stream react, ce sera Reims-Marseille le 15. Ce sera mercredi, les gars, à 20h30. Match important pour la course à l'Europe. Pour les Marseillais. Contre des Rémois qui n'ont plus rien à jouer sur cette fin de saison. Il y aura également parallèle Paris Saint-Germain contre Nice. Évidemment, match beaucoup moins intéressant. Nice a validé sa qualif et puis le PSG est déjà champion. Allez, faute de Christensen, les gars, dans le camp de la Sociedad. Faute sur Mikel Merino. L'excellent milieu de terrain espagnol. Là, il a tenté la récupération, l'interception. Malheureusement, il est un petit peu en retard. Allez, Amari Traoré en possession du ballon qui va ressortir. Ça revient sur Remiro. Ça va être obligé d'allonger. Non, il préfère rejouer dans l'axe. Attention, il y a un très très gros pressing. Et bonne passe. Très bonne orientation de Merino. Le long ballon sur le côté. Déviation de Becker. Ça va être récupéré par Inigo Martinez qui met une tête vers l'avant. Ça revient sur Becker. Et bonne intervention de Jules Koundé. C'est de nouveau perdu. Ça va passer sur le côté. Becker, la remise. Très bien joué, Brice Mendes, Merino. On va trouver Oyarzabal qui va redécaler côté droit Marie Traoré. Il préfère revenir dans l'axe. Bonne possession en tout cas des Basques. Ils prennent leur temps. Pacheco, la bonne passe dans l'axe. Merino qui se met dans le sens. La centre est bon. Heureusement, bien bonne défense d'Inigo. Le crochet de Becker, la frappe. Et ça frôle la barre transversale. Attention, première alerte pour les Catalans. Très très bon mouvement collectif de la part des Basques qui ont, voilà, compris le temps. Ils ont emmené le danger. Il y a une belle passe à l'intérieur. Le centre de Merino est bon. Oyarzabal ne peut pas récupérer le ballon. Et Becker derrière qui crochet de Koubarsi. Frappe en angle fermé et c'est de très très peu au-dessus de la barre transversale. Je pense que Ter Stegen était battu. Hein. Très bonne action de Becker qui a vraiment mis dans le vent Koubarsi là-dessus sur le crochet. Attention. Oh, très bon contrôle de Lewandowski. Oh, il siffle faute. Oh, je sais pas ce qu'il siffle. Robert qui fait un super contrôle et l'arbitre qui siffle faute. Il aurait peut-être bousculé le défenseur, je sais pas. En tout cas, c'est dommage.
Oh, la bonne passe à l'intérieur, très très bien joué. Bryce Mendes qui va aller, non, il va jouer sur Merino. Torrientes qui va décaler sur le côté. Amari Traoré. Bon début de match hein, des Basques qui sont très bien rentrés après la première alerte dans leur match. Ils sont obligés de reculer avec le pressing catalan. Et Torrientes qui a failli se faire chipper le ballon, mais il ressort avec son défenseur tranquillement. Le long ballon, la position d'hors-jeu de Becker. De toute façon, c'est trop long. Ça va être récupéré par Ter Stegen. Donc je rappelle, le Barça rejoue jeudi à 21h30 contre Almeria, donc 3 jours de repos. Évidemment, le but c'est de gagner aujourd'hui et de faire tourner contre Almeria, j'ose espérer. Almeria qui est déjà dernier et est relégué. J'ose espérer qu'un mec comme Victor Roca aura du temps de jeu, notamment contre Almeria. Allez, Jules Koundé, côté droit, va jouer le long de la ligne. Contre de Yamal, il y a une petite faute. Petite faute sur Lamine Yamal. Et Pacheco qui va subir une soirée compliquée face à Yamal. Il va avoir un client dans le dribble, on le sait. Un long ballon, tête de Lewandowski, on revient. Gundogan qui va trouver Lamine Yamal sur le côté. Mauvais contrôle, c'est récupéré. Merino qui va gérer cette offensive. Le petit crochet pour venir sur lui-même et il va ressortir avec. Le Normand. Alors attendez, je fais un petit truc pour que moi j'ai en même temps. Voilà. Nickel. Allez, Traoré qui tente l'une deux sur avec Bryce Mendes. Interception d'Inigo qui est sorti très très haut dans le camp adverse pour intercepter cette passe. Touche pour les Basques. Il y a Marie Traoré à la touche qui attend une solution. Il n'y a pas beaucoup de mouvement. Il va falloir chercher loin. Et ça va être récupéré. Tête de Pedri, la tête de Rafinha dans l'axe. Le bon contrôle de Gundogan. Ah, il a tenté d'aller trouver Yamal sur le côté. C'est intercepté par Mikel Merino encore lui. Bonne relance. Torrientes sur le côté. Non, il va plutôt changer. Côté gauche. C'est bien, ça décale le long de la ligne. On va revenir dans l'axe. On va ressortir une nouvelle fois avec Remiro. Qui va être obligé de. Non, de pas balancer. Il y a un bon pressing des Barcelonais, mais ils en sortent. Merino face à deux joueurs magnifiques qui va trouver quand même. Oh là là, c'est beau. Le jeu en triangle sur le côté est magnifique. Merino qui va lancer Becker sur le côté. La bonne couverture de Koubarsi. Non, Becker est le premier sur le ballon. Et ouais, bonne récup de Koubarsi. Excellente défense. Excellente défense du jeune espagnol. Et Becker qui fait la faute sur Jules Koundé. Bien joué Koubarsi parce qu'il était mal embarqué là-dessus. La vitesse de Becker avait fait la diff. Merino, quel joueur, les gars. Il a pressing, il y a deux. Il a fait un double contact passe magnifique pour se défaire du pressing. Allez, Ter Stegen qui est sous pression, qui va jouer sur Pedri. Et Koubarsi, très très bien joué. Bonne sortie de balle des Barcelonais. Le décalage est fait. On va aller côté droit avec Jules Koundé qui a du champ. Il va trouver Lamine Yamal. Allez, Yamal qui se met dans le sens du jeu. Il va fixer. Il rentre à l'intérieur sur son pied gauche. Le changement d'aile. Petit ballon piqué pour Cancelo. Tête d'Amari Traoré. Tranquillement vers Remiro. Excellente défense de l'ancien Rennais. Torrientes. Le beau contrôle de Torrientes pour éliminer. Oui, bien joué la passe intérieure pour Bryce Mendes. Attention, il y a danger. Bryce Mendes qui va fixer. Il va décaler sur le côté gauche. Aramburu qui ressort, Merino, Bryce Mendes, Merino encore. Bryce Mendes qui revient en arrière. Aramburu. La passe longue pour Bryce, elle est touchée. Oui, j'allais dire pourquoi il la laisse sortir. Elle est déviée par un Barcelonais, ça serait une touche pour la Real Sociedad dans le camp barcelonais aux abords de la surface. Et la longue touche dans la surface. Et la tête de Christensen pour éloigner le danger. Lewandowski, Dojo qui fait une très très bonne tête côté. Amari Traoré, excellente défense. Il vient chipper le ballon à Rafinha pour empêcher le contre. Il repart sur une possession basse pardon, pour la Sociedad. Oyarzabal qui va aller décaler sur le côté.
On va aller décaler côté gauche. Jules Koundé qui va aller essayer de récupérer Merino. Le petit ballon dans le dos par Mburu. Ouais, c'est trop long. Ça va être tranquillement récupéré par Koubarsi. Allez, il va falloir mettre du rythme. Il va falloir créer des décalages. À part le premier mouvement sur la mauvaise passe de Rafinha pour Lewandowski. On n'a pas vu grand-chose pour l'instant du côté du Barça. Martinez, il y a eu un appel de Rafinha. Il préfère décaler Cancelo sur le côté. Les petits externes pour Pedri. C'est bien joué. Le 1-2, Cancelo intérieur. Le petit CR7 chop. Il va résister au pressing, on ressort sur Christensen puis sur Inigo Martinez. C'est dommage, il y avait eu un bon jeu en triangle sur le côté gauche. Pedri, petite passe pour Koubarsi. Passe intérieure pour Christensen, c'est bien joué de la part de Koubarsi. Malheureusement, on ressort. C'est dommage, il aurait dû aller de l'avant. Koubarsi avait créé le décalage, le premier décalage, il fallait continuer de l'avant. Malheureusement, il est ressorti avec Ter Stegen. Stegen à la relance, il attend, il décale Koubarsi. Et la bonne passe de Koubarsi, non, c'est intercepté. Et la longue balle sur Bekir qui remise de la poitrine pour Oyarzabal. Oyarzabal, Merino, et Merino c'est toujours très très propre. Hein. Merino de Torientes, ça fait un super début de match au milieu de terrain. C'est très très propre techniquement, hein. Il y a très peu de pertes de balles. Re, comment il va Laurent? Comment il va le frérot Laurent depuis tout à l'heure? Je l'ai fait la vidéo, hein. Je sais pas si t'as vu. Oh, la bonne récup de Cancelo. Allez, Lewandowski. Ah, Lewandowski, il est un peu court. Et il arrive quand même à récupérer le ballon. C'est bien joué de la part du Polonais. Allez, il a du champ. Il a le temps. Le centre est bon. Oh là là. La défense est un petit peu laborieuse, mais ils arrivent à s'en sortir. Et bon pressing encore de Robert. Hein. Il se bat, Robert. C'est très bien. Il récupère deux ballons consécutivement. Allez, Inigo Martinez qui va décaler Joao Cancelo sur le côté. On ressort avec Inigo. Petit externe pour aller trouver Jules Koundé côté droit. Bien vu, t'as vu, hein, j'avais dit. J'ai pas perdu de temps, je l'ai fait. J'ai coupé le stream, je l'ai fait direct. Après, je l'ai fait en one shot. Je me suis réécouté histoire de voir si je disais pas trop de dinguerie. Et puis voilà quoi. Après, hein, en plus, j'ai pas une chaîne active. Enfin, je mets mes replays de réac à chaque fois, tu vois, pour la faire vivre un petit peu. Mais pendant 2 ans, j'ai rien fait dessus, tu vois. La chaîne YouTube, elle est en l'abandon, hein. Pendant 2 ans, j'ai rien fait dessus. Donc, c'est pour ça, il y aura très peu d'écho, c'est sûr. Mais voilà, depuis que je fais du réac, tous mes replays de réac, je les mets dessus. Histoire de la faire vivre un peu. Axo aussi sur Twitter, t'as vu. C'est vrai? J'ai pas fait gaffe. Comment ça? Je sais qu'Axo, il avait fait un truc aussi. Il avait supprimé sa team. Il avait fait comme passion, je crois. Non, il a pas fait un truc comme ça? Ou j'ai de la merde? Allez, la touche. Oh, la mauvaise passe de Christensen. Attention, il a failli lancer Becker dans la profondeur. Heureusement, Inigo a récupéré. Ah, j'ai pas fait gaffe. Axo. Ah, il en a fait une aussi, pardon. J'incite mes collègues à également prendre leurs responsabilités. Ah ouais, faudrait que je regarde ça après. Bien vu. Elle dure 3 minutes. Ouais, je viens de voir. Je regarderai ça après. J'avais pas vu. J'irai voir ça. Oh, il y a une faute, les gars. Faute sur Merino. Merino qui fait un sacré début de match. Hein. Il est là, Merino. Hein. Il est vraiment très, très propre techniquement. Il couvre toutes les bonnes zones. Et là, il résiste bien au pressing de Christensen qui se rend fautif pour la deuxième fois. C'est dangereux. Hein. C'est très dangereux. Hein. Là, le tacle de Christensen, il est absolument pas maîtrisé. Il s'en sort sans carton. Waouh. Il s'en sort très très bien. Hein, parce que là il est en retard. Et en fait à la base il va pas pour faire une grosse faute. Mais en fait il a fait une cisaille sur la jambe de Merino. Il peut vraiment lui péter la jambe. Oh, Yarzabal, le double contact, c'était bien joué. Et Merino en possession de la balle. Merino qui va redécaler. Bryce Mendes sur le côté droit. Marie Traoré, elle a passé un peu longue. Il va quand même réussir à centrer. Première intention. Ça va au deuxième poteau. La tête de Jules Koundé. Le dégagement dans un second temps. Attention les gars, ils sont un petit peu... En difficulté, le Barça, Lewandowski, dos au but, c'est dur, il y a un gros pressing, il s'en sort, très bien joué de la part de Robert. Et la bonne défense, c'est dommage, il a failli trouver en profondeur. Oh, Cancelo, bien récupéré. Cancelo qui va envoyer côté droit, Lamine, Yamal. Allez, il faut aller fixer, il faut garder la vitesse. Yamal qui va mettre du rythme, il rentre intérieur. La passe. Ah, c'était bien tenté, hein. Il a essayé de trouver Gundogan dans la surface, et intercepté et dégagé directement en touche. Ouais, Lewandowski qui s'est bien joué de Lenormand avec son
Son jeu de corps, c'est très bien joué. Hein. C'est pas un match facile pour lui. Il va avoir beaucoup de duels rugueux. Et Inigo, passe intérieur pour Pedri. Pedri qui va trouver Gundogan, le 1-2. Pedri, Lamine Yamal. Il y a une prise à deux sur Yamal, comme souvent. Hein. Koundé pour Pedri. Koubarsi, Inigo Martinez. La passe sur Joao Cancelo en une touche. Pedri, le 1-2, c'est très bien. Ah, le 1-2-3, malheureusement, la passe de Cancelo manque de précision. Il manque un peu de justesse, là, Cancelo, sur ce début de match, sur certaines prises de balles, sur certaines passes. Attention, Brice Mendes qui va lancer Becker. Est-ce qu'il est en position d'enjeu? Oui, il est en position d'enjeu, heureusement. L'arbitre qui lève dans un second temps. Ça me paraissait suspect, parce que c'est vrai qu'il est quand même parti avec, je pense, 2 bons mètres d'avance. Il y a eu un très bon alignement des Barcelonais au dernier moment. Ouais, bien joué, Koubarsi. Hein. Koubarsi couvrait le hors-jeu et au moment de la passe, il a fait le pas vers l'avant pour mettre l'attaquant hors-jeu. C'est très très bien joué de la part du très très jeune Espagnol, hein, faut le rappeler les gars. Salut Alicia, comment ça va? Allez, Inigo en possession de la balle. Le bloc basque est un peu plus bas, le pressing est moins agressif. Il laisse les défenseurs jouer un peu plus. Il faut en profiter. Par contre, voilà, là quand ça ressort sur Ter Stegen, on voit les milieux de terrain qui viennent vraiment investir le camp barcelonais pour empêcher les relances. Moi, bon, ça va tranquillou, hein. Ça va tranquillou, stream après le stream FIFA, stream réac pour le Barça. Je vous mets point d'exclamation vidéo, les gars, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, j'ai fait une vidéo un petit peu coup de gueule, l'Espoir FC, en réponse à la vidéo de Passion Gaming, n'hésitez pas à aller checker ça. Allez, Inigo Martinez, la bonne passe dans la profondeur, ah, c'est un peu trop long, Arimiro qui va couvrir, oh, le dégagement en catastrophe, directement en touche. J'étais à la méno hier, c'était incroyable. Alors attends, la méno. La méno, c'est lequel de stade jeu? C'est Nantes ou pas? Non, Strasbourg, pardon, Strasbourg. C'est ça, hein? Putain, je bug des fois. J'ai les noms de stade, je bug. C'est là, c'est bien Strasbourg, hein? Oui, wow, j'ai eu un trou, j'ai eu un moment de flottement. Ouais, en plus, vous avez... Oh là là, le bon pressing de Yamal qui a fait récupérer le ballon dans les pieds du gardien. La passe intérieure de Merino, ils arrivent quand même à casser ligne. Hein. Faut faire attention, le placement des Barcelonais est bon dans le pressing, mais malheureusement, ils sont transpercés. Allez, bon pressing, ça sort en touche. Mais là, la Sociedad montre beaucoup plus de qualité technique que le Barça pour l'instant. Et oui, du coup, Strasbourg qui retourne le match dans le temps additionnel. Et grâce à Strasbourg, Nantes est sauvé. Parce que vu que Metz n'a pas gagné, Nantes est du coup maintenu malgré la défaite hier contre Lille. Donc, ouais, Nantes peut dire merci à Strasbourg d'avoir retourné le match. Hein, parce que sinon, ils auraient vécu une dernière journée palpitante. D'ailleurs, on aurait vibré. Hein, si Metz avait battu, vous aurez battu. On aurait vécu une dernière journée incroyable parce que Metz 33 points, Le Havre 33 points, Nantes 34 points. Tout aurait été décisif sur la dernière journée en fait. Mais là, voilà, vu que Strasbourg a fait le taf. Allez, la passe sur le côté. Jules Koundé qui va l'envoyer en profondeur. Elle est bonne. Allez, Yama. Un peu trop à l'intérieur. Couverture de Remiro, qui renvoie. Et c'est une position de hors-jeu pour Lamine Yamal. On va arriver à la 20e minute, les gars. Le Barça qui, pour l'instant, n'a pas montré grand chose, c'est vraiment trop peu. À part la première situation dans les premiers instants du match où Rafinha a failli trouver Lewandowski sur une PES, il se passe plus rien. Et on voit beaucoup plus de qualité technique de la part des Basques. Hein. Et ça, c'est inquiétant. On a fait une Leverkusen, c'est ça. 88e, je crois, et puis 90e, hein, vous avez. Ouais, c'est terrible hein, pour Metz. Terrible pour Mikotadze. Hein. C'est ce que fait Mikotadze depuis son retour, c'est fou. Après, oh là là, Becker qui a dégagé Koubarsi au physique. Le frappe. Oh là là, la parade de Ter Stegen, heureusement. Becker qui loupe le 1v1 face à Ter Stegen. Super barré du portier allemand. On a eu très 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 chaud. Est-ce qu'il y avait faute? Il y avait une petite faute sur Koubarsi quand même. Hein, non, je sais pas, il est tombé bizarrement Koubarsi. Il s'est fait manger physiquement. On voit là... Ah, il y avait poussette dans le dos. Hein. Il y avait poussette dans le dos quand même. Je pense qu'il a ressifflé. Hein. Il y avait poussette dans le dos. Salut Ghost, comment il va Ghost? Ouais, 88e et 92e, c'est ça. Le retournement de situation, quoi. Les pauvres Messins là-dessus. Qui se voyaient jouer une finale la semaine prochaine. Comment va Ghost? Allez, il faut se réveiller là parce que ça fait 20 minutes. On n'a pas vu grand-chose de la part des Barcelonais. C'est un peu décevant. Ça manque de verticalité. Ça manque de cohésion. Ça manque de jeu collectif. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Ils ont du mal à créer les triangles, quoi. Vraiment, techniquement, on voit plus de bonnes choses côté basque hein, pour le moment.
Allez, Cancelo. Qui fait pas un match ultra conséquent pour l'instant techniquement. Le long ballon. Là, c'est précis par contre. Bien joué, Cancelo. Il va trouver Rafinha qui a du champ. Rafinha, il est passé. Il a mis un grand pont. Il rentre dans la surface. Le centre retrait de Rafinha. C'est trop en retrait pour Ilkay Gundogan, malheureusement. Ah, Rafinha, ça fait deux fois qu'il manque de précision sur la dernière passe. Il fait le plus dur. Oh, c'est terrible. Il fait vraiment le plus dur là-dessus. Oui, une excellente action de Turrientes qui va trouver. Bryce Mendes qui décale. Oyarzabal, attention, Oyarzabal, on a contré face à Jules Koundé. Il va travailler. La frappe d'Oyarzabal, c'est pas cadré. C'est totalement dévissé. Triste du départ d'Mbappé, mais content qu'il réalise enfin son rêve. Et toi, ça va? Moi, ça va, tranquillou. Et après, la vérité, pour moi, il fallait à un moment donné que ça parte. Et voilà, le PSG, pour moi, va devoir passer à autre chose. Et il faut passer à autre chose. Et il n'y aura que du mieux qui va arriver pour vous, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Allez, Rafinha, hein, Rafinha, il fait le plus dur, hein, il met le grand pont. Il a sorti un grand pont de grande classe et malheureusement sur la dernière passe, il loupe le coche, c'est terrible. Hein. Il accélère bien, il est dans la surface et la passe en retrait manque de précision et malheureusement c'est dans le dos de Gundogan quoi. C'est terrible. Hein. J'ai pleuré à la fin du match. De Strasbourg? Putain, les émotions du foot. Hein. Oh, Pedri qui loupe le contrôle, Becker qui récupère, c'est pas bon ça. Becker qui va fixer Inigo, il est un peu seul. Il va revenir sur Bryce Mendes, la petite faute non de Cancelo, non, il n'y a pas faute. Là par contre, ouais, double récupération de Cancelo, j'ai l'impression qu'il a fait deux fautes, mais bon, l'arbitre en a sifflé aucune. Christensen en possession du ballon, il va trouver Lamine Yamal. La passe directe, et non, il était en position d'hors-jeu, Rafinha. C'était bien tenté, hein, mais bon. Amari Traoré qui va ressortir avec Remiro. Remiro, très très bon jeu au pied, qui ressort proprement. Torientes. Ça travaille au milieu de terrain. C'est très propre techniquement ce qu'ils sont en train de faire. Le long ballon pour Becker, il est tout seul. La frappe de Becker et c'est le but! Ouverture du score pour la Real Sociedad. Est-ce qu'il est en position d'hors-jeu? Oui! Oui, les gars, position d'hors-jeu. Là, j'ose espérer que c'est vrai parce que j'ai pas compris ce qui s'est passé là sur la défense. On revoit l'action. Il est hors-jeu de quelques centimètres. C'est Inigo Martinez qui le tient pour qu'il soit hors-jeu. Hein. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Il a failli partir dans son propre camp. Hein. La défense barcelonaise était beaucoup trop haute. On avait Cubarsí qui était dans le camp adverse et Inigo qui pousse Alisson Becker, j'allais dire, qui pousse Becker pour qu'il soit en position d'hors-jeu. Heureusement, sinon il partait au but et bon, c'était 1-0 tout simplement. Hein. C'est limite. Hein. Et Cancelo, le bon ballon de Cancelo, ça c'est précis. Ah, bonne couverture et Gundogan qui arrive quand même à saisir du ballon. Oh là là, le très bon tacle défensif. Alors heureusement, parce que s'il se loupe là-dessus, ça peut être carton rouge. Hein. Là, Gundogan qui avait une bonne chose à faire. Le meilleur espoir, c'est Warren. Merci Carlo, merci. Ouais, tenez-moi au courant, les gars. C'était contre qui? Il y avait qui en nominé pour les espoirs? Après, c'est prévisible que ce soit Zaïre Emery. Ça ne me surprend pas. Pour être franc. Allez, la touche. On ressort avec Inigo Martinez. Le changement d'aile. On va trouver Jules Koundé. Attention, les basses qui sortent très très haut. Il faut décrocher là pour les attaquants. Il faut venir chercher le ballon. Là, Yamal, il aurait dû décrocher au lieu de faire l'appel en profondeur. Il faut venir la chercher dans les pieds hein, quand c'est comme ça. Il y a un gros pressing. Il faut que Jules Koundé puisse relancer court. Et la bonne relance de Ter Stegen. Oh, bien joué, Rafinha. Pour Robert Lewandowski. La remise pour Rafinha encore. Et superbe travail de Rafinha. Hein. Allez, il a le temps. Il a du champ. Il y a un appel de Gundogan dans l'as. Qui va... Dans l'axe, pardon. Il préfère servir Pedri. Pedri qui va jouer sur le côté droit. Jules Koundé. Lamine Yamal, passe à l'intérieur pour Lewandowski, Christiansen, Pedri, Joao Cancelo, il va travailler face à Amari Traoré, les petits pas, il va rentrer intérieur, Pedri, ah, ils sont bien en place, il faut trouver le décalage, Cubarsí, côté droit, Lamine Yamal, on a contre un, ah, il va ressortir sur Jules Koundé, la passe sur Gundogan, qui va retrouver Yamal, Koundé encore, ça a du mal à créer les décalages rapidement, hein. Pedri qui est obligé de ressortir sur Cubarsí, c'est dur! C'est très très dur. Je suis dépité, il n'y a pas Angelo chez les espoirs. Tu veux que je dise uniquement les joueurs de Ligue 1 ou Ligue 1? Peu importe, comme tu veux. Hein, si tu me dis ce que tu veux, en vrai, c'est toi le chef. Mais tu me dis qui est élu, ça me va. Ça, peu importe. Même en Ligue 2, en soi, s'il y a des trophées. Parce que j'avoue que cette année, j'ai pas trop suivi la Ligue 2. Ça me. Ah, il y a une faute encore. Hein, Torian Pacheco, pardon, qui fait une faute un peu bête sur Gundo. Allez, Jules Koundé qui va trouver Gundogan. Côté droit. Allez, il faut mettre du rythme, les gars, s'il vous plaît. 25e minute, toujours rien. Très peu de mouvement collectif pour l'instant.
Coup par-ci. Pedri. Et la bonne passe de Pedri, intérieur, pour Gundogan, c'est dur, hein. L'1-2 du coup, il y a un très très gros pressing des Basques, qui les empêche de se retourner, bonne passe de Pedri pour Lewandowski, ah le contrôle était difficile, il est en train de se retourner, Amari qui relance, oh là là, la passe poitrine de Brice Mendes, très propre pour Merino, et ça va ressortir tranquillement avec la défense. Ils sont, les gars, la vérité, la société est beaucoup plus serein pour l'instant que le Barça, et Merino il est en train de, le Merino est en train de pondre un classique, hein. Oh la perte de balle de Merino, qu'est-ce que je suis en train de dire, oh le bon tacle. Il se rattrape, mais Lewandowski, allez Lewandowski, il va jouer. Oh non, la mauvaise passe pour Gundogan, il y a faute sur Robert. Il y a faute sur Robert, les gars, il a pas sifflé l'arbitre, c'est un continu. Yamal, côté droit, allez, mets du rythme. Yamal, il rentre intérieur, le tacle, il évite le tacle, le 2 avec Gundogan, la mine Yamal. Oh là là, le tacle défensif, heureusement, sinon c'était à mon avis Filoche. Superbe action entre Yamal et Gundogan. Allez, couverture de Koubarsi, ah, il est dur. Hein. C'est très très dur de jouer sur Becker, hein. Koubarsi, il est un peu en souffrance. Becker lui met un peu le feu. On revoit le 1-2 entre Gundo et Yamal. Le contrôle lui reste un peu dans les pieds. Et le très bon tac de Pacheco. Hein. Il a failli tromper son propre gardien. Mais le retour, il est exceptionnel. Il y avait faute par contre sur Lewandowski. Hein. On vient de revoir l'action. Romain Lenormand qui fait quand même une obstruction sur Robert Lewandowski. C'est pas sifflé. Bon après, hein, ils ont failli quand même créer quelque chose les Barcelonais. Mais il y avait faute hein, sur Robert. Il y avait clairement faute. Ah, en tout cas, c'était très bien joué. Hein. Je me dis que le soir dernier, le plus bon but, il y avait Aoulou entre Marseille, Doucouré contre 3, mais c'est Way qui l'a eu. T'as vu qu'il y avait un message dans le Discord? Ah bah, j'avais pas vu. Attends. T'as vu qu'il y a mis un message dans le Discord? Ah bah, j'avais pas vu. Il y a mis un message ici. Ah oui, Laurent, bah oui, il se come back. Mais cet après-midi aussi, t'étais là quand il est venu. Laurent Zidane, il se back. Le frérot. Eh oui. Mais je l'ai vu chez Passion. Ah, t'étais pas passé, stop. Je sais plus. Parce que je l'ai vu, il était chez Passion. Puis je lui ai dit, ça fait longtemps que t'es pas passé. Et du coup, bah, il est passé. Le comeback du roi. Il est revenu, il est aussi sur Discord. Bah, c'est bien, ça, c'est vrai, parce qu'il était sur Discord. Les gars, Laurent Zidane, c'est à l'époque YouTube, bordel. Ça, c'est vraiment à l'ancienne. Ça c'est les gars, FIFA 21, live 12h avec Carter, live 12h. Laurent qui nous avait dégainé, je sais même pas combien de dons, il nous avait lâché son compte, il nous avait donné, je crois, il y avait 300 packs. Il y avait 24 000 points FIFA, c'était une folie. On avait ouvert sur son compte, les gars, pendant des heures avec Carter, c'était incroyable. Je me rappelle, on lui avait eu des choses, mais pas de Totim, je crois qu'il n'y avait pas eu de Totim. On lui avait packé Messi, on lui avait packé peut-être de l'icône. On lui avait eu plein d'animes, mais pas de Totim, mais je me rappelle. Hein, un compte avec plus de 300 packs, c'était une dinguerie. La carte a confondu Ice-T avec une bouteille d'eau. Ice-T avec une bouteille d'eau. Victor Roquet qui peut partir cet été, c'est vraiment dommage. Moi, la vérité, j'ai pas envie qu'il parte, Roquet. Hein. La vérité, j'ai pas envie qu'il parte. Oh, Xavi, il a insisté pour le faire venir. Ah oui, on avait commandé à manger. Oui, oui, c'est bon. Je me rappelle. Mais oui, si, t'avais pris une bouteille d'eau, Nesty, espèce de con. T'avais pris une bouteille d'eau Nesty, tu croyais que c'était de l'Ice-T. C'était une bouteille d'eau. Allez, Inigo Martinez qui récupère. On va arriver à la demi-heure de jeu, les gars. Pedri, possession de balle. Allez, il y a des bonnes choses, hein, y a, par moment, mais ça a du mal à se connecter, quoi. Nestlé, ouais, Nestlé, voilà, Nestlé. Tu croyais que c'était de l'Ice-T ou je sais pas quoi. Puis t'avais reçu une bouteille d'eau comme un couillon. Non, c'était d'eau Nestlé, je crois. Depuis son rouge honteux face à Alaves, on l'a plus vu. Mais... c'est Xavi, hein. Xavi, je sais pas ce qu'il a. Hein. Il doit le faire rentrer plus souvent. Oh, il y a des bouts de match. Fais-moi rentrer Roquet au lieu de faire rentrer Ferran Torres. Bah, à un moment donné, il faut être logique. Faire rentrer Ferran Torres, ouais, ok. Mais fais jouer Roquet, quoi. C'est comme Félix. Il est bien gentil, Félix. Il a du ballon, tout ça. Mais Félix, c'est pas dit qu'on va l'acheter. Hein. Ouais, c'était Nestlé, c'est ça. Là, oh là là, le long ballon, encore la défense qui zone. Heureusement, Koubarsi qui couvre. C'est dur, hein. Félix, c'est un prénom de chat, ouais, exactement. Non, mais voilà, Félix, il fait du bien par moment, mais ça reste. Voilà, c'est un joueur qui va repartir en fin de saison. Fais jouer Roquet. Mets en confiance Roquet, quoi.
Oh, la bonne défense. Ils ont récupéré. Oh, les Basques, heureusement. Très bon tacle de Rafinha sur Amari Traoré. La relance de Pedri pour trouver Ilkay Gundogan. Il arrive à se retourner. Très bien joué de la part de l'Allemand. Allez, il faut mettre du rythme. La passe sur le côté. Robert Lewandowski. Côté gauche. Il va avoir le soutien de Joe Cancelo. Il préfère ressortir avec Gundogan. Ça manque de rythme. Hein. Pedri. Koubarsi. 30e minute, les gars. Toujours 0-0. Ça manque d'occasion pour le moment. Jules Koundé, le petit ballon dans la surface pour Robert Lewandowski. La tête de Lewandowski dans les gants du gardien. C'est bien tenté, c'est bien joué, mais c'est très très dur. Hein. C'est un peu tiré par les cheveux. Mot interdit RL. Ça, c'est bien, à la limite. Pendant combien de temps? 5 minutes? Ah, je vais gruger. Ça, c'est un truc qu'on peut faire pour les réactions. Enfin, de toute façon, il faut que je mette... Pour les trucs de points de chaîne, il faut que je mette entre parenthèses FIFA et... Cela, ça, c'est fun, ça, pour le réac. Je vais dire le numéro 8 à la place, vous saurez de qui je parle. Allez, vous avez la pub, les gars, qui va pop. Hein, la pub de la 30e, comme d'habitude, 30e, 35e. C'est la seule pub qui intervient pendant le match. Après, c'est que pendant la mi-temps et après le match. Allez, dégagement de Rimiro. La récupération de Christiansen. Joao Cancelo. La passe de Lewandowski qui va remiser sur le jeune crack espagnol. Le numéro 8 du Barça qui va décaler Jules Koundé. Koubarsi. Allez, il faut mettre du rythme, les gars. Ça manque de mouvement, là. Lamine Yamal sur le côté. Il est obligé de revenir en retrait. Hein. Il est chassé. Koubarsi. C'est dur, les gars. Inigo Martinez. Qui rejoue avec le numéro 8. Il y a un appel de Rafinha. Il aurait peut-être dû tenter de lui mettre. Il va jouer Gundogan. Christiansen. Koundé. Allez, ça s'accélère un peu sur le côté. Yamal. C'est dur. Hein. Ils sont vraiment à 4 sur le côté de Yamal. Hein. Majin. Comment il va, Majin? Koubarsi, Nigo, ça rompiche là, il faut mettre du rythme. Faut tenter quelque chose. Ça va et toi, tranquillou, hein? Allez, Yamal, la remise avec Jules Koundé, c'est bien joué. Allez, Koundé, qui va de l'avant? La roulette de Koundé, allez, qui revient sur Yamal. Jules Koundé qui nous a pondu une roulette, les gars. Dans le plus grand des calmes. Gundogan. Koundé encore. Yamal, il a tenté de faire un contrôle avanté pour éliminer, il y a une bonne défense. C'est dur, hein? Super, enfin régler le bug des serveurs, ça fait plaisir, ouais. J'ai pu faire la cup tranquillement, j'ai pu la finir. Ça fait plaisir. Et Cancelo, avec le numéro 8 qui rejoue, Cancelo. Ils sont sur Inigo Martinez. Encore une fois, Koubarsi, c'est dur. Hein. Les Basques qui sortent très très haut là sur la possession basse des Barcelonais. Et Yamal, c'est tout le temps dos au jeu, il est... Mauvaise passe pour Brice Mendes, du coup. Récupération du numéro 8. Et demain, du coup, je ferai les playoffs et j'attaquerai Rivals. Et je terminerai les Rivals mercredi, pardon. Mais ouais, demain, playoffs et un peu Rivals si je peux. Ah, c'est mal joué. C'est récupéré tranquillement. La bonne relance. Hey, la faute de Cancelo, les gars. On est à la 33e. C'est maigre hein, pour le moment. Hein. C'est très, très maigre ce qu'on est en train de voir. Hein. Et là, c'est une méchante faute, Cancelo. Il est vraiment en retard. C'est dur, hein. Et Merino, ouais, c'est très propre ce qu'il fait, Merino. C'est vraiment le joueur de cette mi-temps. François Le Texier et Nicolas Danos, meilleur arbitre et assistant de Ligue 1. Eh, c'est pas Clément Turpin, du coup? Parce que généralement, on dit que c'est Turpin le meilleur, non? Turpin, les gars, qui en quart ou en demi, je sais plus, non, il avait arbitré très très bien le match. Non, c'était le Real, c'était la demi, hein. Je crois que c'était Bayern-Real. Le match au Bayern, il avait super bien arbitré. Et bonne relance de Ter Stegen. Oh, la perte de balle de Lewandowski, attention. Oh, donc... Tentative de lob de Lenormand au 30 mètres. Il se prend un peu pour... non, Ter Stegen est vigilant là-dessus. Mais c'est bien tenté en vrai. Allez, Jules Koundé qui repart à l'assaut. Côté droit, il accélère. Il est obligé de tempo. Il va jouer avec Lamine Yamal. C'est très très dur. Hein. Lamine Yamal, il a que des ballons dos au jeu. C'est très très dur pour lui. Hein. Là, il obtient la faute encore.
Évidemment, grâce à sa technique, il obtient des choses, mais c'est très compliqué. Hein. La petite faute de Oyarzabal là-dessus. Koubarsi, Inigo. Joao Cancelo. Ah, il a mauvaise passe pour Rafinha. Ça manque de précision, Cancelo, hein, sur beaucoup de touches. Hein. Voilà, tout à l'heure, il loupe son contrôle alors qu'il y avait le décalage. Il loupe 2-3 passes un peu faciles. Attention, Joao, c'est pas bon, ça. On n'a pas l'habitude de voir un Cancelo louper des passes comme ça. Allez, pressing de Rafinha. Très gros pressing. Oh là là, le crochet du défenseur, c'est bien joué. Et récupération haute du crack espagnol. Numéro 8, la passe laser pour Rafinha. Rafinha qui va crocheter le petit pont. La frappe pied droit, elle est contrée. Oh là là, c'était beau Rafinha, ce qu'il vient de faire. La superbe passe, les gars, du craquito. La passe qui casse la ligne. Et Rafinha qui, action individuelle, contrôle orienté, petit pont. Il a failli enchaîner qu'une frappe pied droit, c'est contré malheureusement. Et bonne couverture de Koubarsi. Malheureusement, c'est récupéré par Merino. Qui, bah, super bien joué, Merino qui va trouver Brice Mendes dans l'axe. Brice Mendes qui va décaler côté droit à Amari Traoré. Qui ressort avec Brice. Torrientes, l'1-2. Avec Brice Mendes. Cancelo qui joue avec Gundogan. La longue balle de Gundogan, c'est très très dur hein, pour Cancelo. Ouais, ouais, c'est compliqué. Je sais pas pourquoi il a cherché à jouer avec Cancelo. Il y avait un appel plus simple du côté de Lewandowski et du côté de Lamine Yamal. Il a cherché compliqué sur Cancelo là-dessus. Pour l'instant, les gars, la Sociedad pratique un meilleur jeu. Hein. Pressing de Yamal, ça va ressortir sur le gars avec le portier Remiro. Relance dans l'axe. C'est facile hein, ce qu'ils font, c'est propre. Oh là là, Remiro qui s'est un peu mis dans la sauce. Qui dégage directement en touche. Allez, Jukoudé. Oh Rafinha. Rafinha qui regarde le banc. Semble-t-il, ce serait fait mal. Non? Sur l'action. J'espère pas, parce qu'il y en a marre des blessures. C'est récurrent aussi chez Rafinha. Bon, Lewandowski, ça fait 2-3 fois qu'il fait ses lacets, il s'agirait de les nouer comme il faut. Allez, bonne défection de Rafinha pour Gundogan. Là, le décalage est fait. Allez, Gundogan, il va percer dans l'axe. La passe intérieure pour Pedri, qui se retourne, le petit piqué. Il ressort sur Rafinha, la frappe de Rafinha, le poteau. Et la reprise de Gundogan au-dessus. Oh là là, la frappe de Rafinha qui vient heurter le poteau. C'est très bien joué. La plus grosse occasion, les gars, du match. 37ème minute. Le poteau de Rafinha, le ballon revient sur Gundogan, mais malheureusement Gundogan est pris à contre-pied. Et malheureusement, eh ben, ça va s'envoler dans les tribunes. La très bonne passe de Gundogan, le décalage de Pedri, Rafinha, le contrôle. Si je dois vous décrire cette frappe, c'est à peu près la même frappe que Nuno Mendes contre Dortmund. Il est excentré légèrement, bon, il est plus plein axe celui. Hein. Et là, le pied gauche croisé qui vient heurter le poteau. Et malheureusement Gundogan qui ne peut pas redresser sa volée. C'était très très compliqué. Le ballon en fait le revient sur lui mais à contre-pied. Donc il n'est pas sur ses appuis au moment de récupérer. Malheureusement ça s'envole. Et en tout cas très bon mouvement de la part des Barcelonais. Et encore une fois Rafinha hein. Rafinha qui fait un très très bon jeu en une touche. Ça fait plusieurs fois. Ça fait au moins 3-4 fois. Oh la bonne tâne. Non ça va sortir. Mais Rafinha fait des bonnes choses hein. Dans les déviations tout ça c'est intéressant ce qu'il fait. Ça fait je pense 3-4 fois qu'il en une touche arrive à créer un décalage. Et derrière ça amène une situation. Très très bien, faut qu'il continue comme ça. On se contente de peu dans cette mi-temps, mais voilà, c'est. Les déviations de Rafinha, mine de rien, elles amènent toujours quelque chose. Petit bug. Allez, remonte la frappe. Aïe. Allez, Robert Lewandowski. Oh, la bonne passe de Lewandowski pour Gundogan. Allez, Gundo. La passe de Gundogan. La Miniamal. Et l'ouverture du score du FC Barcelone. Du crack. Du futur joueur intergénérationnel. La pépite barcelonaise. Lamine Yamal. De son pied gauche, il vient tromper le portier espagnol, les gars.
1-0. Magnifique. Ça part de Lewandowski. Qui trouve une excellente passe intérieure. Salut Kiki, comment va? Re plutôt. Superbe but les gars de Yamal. Hein. Mais surtout un très très bon mouvement collectif. Lewandowski, contrôle orienté. Passe cachée, intérieur magnifique pour Gundogan. Et derrière Gundogan, subtilement, qui va décaler pied gauche entre les jambes du défenseur. Et Yamal, sans contrôle, qui met cette passe. C'est une passe au filet, comme dirait Omar Da Fonseca. C'est une passe au filet. Ça me rappelle un autre gaucher de cette équipe du FC Barcelone, les gars, dont je tairai le nom. Un certain numéro 10. Argentin. Voilà, je peux pas en dire plus. Mais là, vraiment, la douceur, c'est une passe au filet, les gars. Hein, ce que fait Yamal. C'est magnifique. Et une passe de plus, les gars. Une passe décisive de plus pour Ilkay Gundogan, qui fait sa meilleure saison en carrière en termes de passes décisives. A savoir que Gundogan a fait des très grosses saisons du côté de... Du côté de City. Et ben dites-vous que c'est cette année au Barça qui fait sa plus grosse saison en termes de stats. En termes de passes décisives. C'est sa meilleure saison en carrière. Et une de plus, les gars, c'est une vraie passe décisive. Hein. Après, ce que fait Lewandowski, je pense que c'est clairement Lewandowski qui fait le plus dur. Hein. La passe de Lewandowski, elle crée toute l'action, les gars. Il fait un contrôle orienté, la passe cachée intérieure, derrière Gundogan part en profondeur, le décalage est fait, derrière c'est filoche. La précision de Gundogan qui met une très bonne passe pour Yamal, qui a juste ensuite à frapper. Après, le but est pas mis, hein. Yamal, il, mine de rien, il met un petit filet, quoi. C'est presque poteau rentrant. Donc, excellent. Allez, Koundé. Gundogan. Attendez, le Barça, ils sont pas censés reprendre la deuxième place, c'est en train de monter le classement. Comment il va, Kiki? Bon, les gars, il y a 1-0 hein, pour l'après-dit. Pour l'instant, les gars, il y avait beaucoup de points sur le nul. Mais là, c'est le Barça qui mène. C'est la plus grosse cote. Hein. Je crois qu'il y avait que 500 points sur le oui. Comme d'habitude, il y aurait une prédit en deuxième période. Mais là, ouais, le Barça qui, avec peu, au final, s'est montré dangereux. Et mine de rien, superbe action sur le but. Ça fait plaisir. Et long ballon de Ter Stegen. Ça va être récupéré tranquillement par la défense. Amari Traoré. Ouais, le bon ballon. Ouais, bonne couverture d'Inigo. Très bien joué. Cancelo. Aïe, aïe, aïe. Mauvaise passe de Cancelo pour Becker. Il ressort sur Bryce Mendes. Torrientes. Pacheco. Qui temporise. Ah, il cherche une passe intérieure. Il préfère rejouer avec Pacheco. Bryce Mendes qui est trouvé dans l'axe. Attention, la passe en profondeur, elle est magnifique pour Becker. Becker qui va fixer le gardien. La frappe trop croisée, pied gauche. Ça va finir à côté des buts. Attention, les gars, sur la profondeur. Becker, c'est pas la première fois qu'il met le feu côté Real Sociedad. Ça couvre trop le hors-jeu. Et... Parfois, il est hors-jeu, parfois non. Et là, il est pas hors-jeu. Il y a une superbe ouverture. Koubarsi qui fait un tacle... désespéré pour revenir et ouais, il est en retard. Et oui, non, le Barça qui reprend la seconde place, c'est ce que je disais. Hein. Si le score reste là, le Barça repasse deuxième. La meilleure joueuse de Ligue 1, c'est Chawinga. Ouais, c'est Chewing-Gum, c'est ça. Ouais, à FIFA, elle a une carte Tots, c'est incroyable. Sa carte, elle est folle, vraiment. Et bonne passe. Oh, la Magnamal qui a tenté la remise, il y a faute. C'est bien, en fait, ils essaient de trouver des passes fortes dans l'axe. Que ça soit Ter Stegen ou un défenseur. Et les gars dans l'axe, ils essaient de faire des déviations, quoi. Et genre là, Yamal, il a tenté la déviation pour Lewandowski. Tout à l'heure, c'est Rafinha qui plusieurs fois a essayé de décaler. C'est... Ouais, c'est bien tenté, hein. Quand ça passe, ça passe. Et Jules Koundé qui ressort avec Koubarsi. Koubarsi qui a du mal aujourd'hui, hein. Encore une fois, c'est pas son meilleur match, hein. Et bonne passe d'Inigo pour la profondeur de Robert Lewandowski. Il est passé, il est dans la surface. Ah, il est obligé de revenir, alors Robin Lenoir manqué sur lui, il résiste dos au jeu. Passe intérieure. Ça va être dégagé, mais c'est très bien joué de la part de... Oh, bonne défense de Koubarsi, voilà. Bien joué Koubarsi, là il s'est imposé face à Becker. Parce que là, Becker, il est en train de faire vivre un véritable... Je vais pas dire un calvaire. C'est mal dosé. Mais il est en train de faire vivre un match compliqué au jeune Koubarsi. Hein. C'est bien que là-dessus, sur ce duel-là, il ait un peu marqué son territoire. Allez, Pedri, la passe pour Robert Lewandowski, le bon contrôle. La passe pour Pedri, allez Pedri. Pedri qui décale, Jules Koundé. Jules Koundé, il est bousculé dans le dos là. Récupération de Pedri qui ressort. Lamine Yamal, le petit ballon au deuxième. Ah, la tête de Lewandowski. Ah, il y avait une petite faute ou pas là? Il y a des poussettes, il y a des fautes les gars. Hein. Re, Alicia.
Ça bouscule, hein. Il a une poussette dans le dos, il doit tomber, Koundé. Mais les gars, il y a faute sur Koundé, là. Oh là là. Mais ils sont deux, les gars. Et... Ouais, il y a Yamal qui a ouvert le score. C'est très, très limite, là, sur Jules Koundé, hein. Puis Lewandowski qui a très bien joué de haut but, c'est bien. Il faut continuer comme ça. Allez. Une minute de temps additionnel, les gars. Comme d'habitude, hein, dès que c'est la mi-temps, je vous balance la pub et je vous balance la deuxième prédit. Hein. L'arbitre pas trop mal, après, bon. Après, là, c'est dur de siffler Péno quand même. Par contre, il y a des fautes sur Lewandowski qui sont pas sifflées. Romain Lenormand, ça fait deux fois qu'il empêche Lewandowski en fait de faire un appel, il le bloque. C'est jamais sanctionné. Hein. Il l'a fait deux fois sans être sanctionné. Allez, Inigo Martinez, allez, c'est bien Inigo. Hein. Il apporte, hein, joue au pied. La bonne passe intérieure pour Kai Gundogan. Allez, Gundo. Oh, il a tenté la petite passe. Il a failli trouver Rafinha. Ça va être récupéré malgré tout par le Polonais Lewandowski. Il va trouver Lamine Yamal. Allez, il reste 10 secondes avant la pause. La très bonne passe de Yamal pour Lewandowski. Et mauvais contrôle de Robert. C'est dommage, Emerino. Oh, la paire de balles. Cancelo. Oh, le tac d'Amari Traoré. Et c'est la pause. 1-0 pour le FC Barcelone. Je vous paye la prédit. Et j'en balance une autre. Hein, qui a mis du Barça. Je vous balance une prédit, les gars, qui sort du commun. Je compte sur vous pour voter. Je vous sors une prédit inédite. Ça a envoyé, les gars. Je vous ai payé la première prédit, je vous balance la deuxième. C'est une prédit qui sort du commun. Est-ce que Vitor Roque va rentrer en jeu en deuxième période? Oui ou non? À vos votes, les gars. On sait que c'est très très dur pour lui d'avoir du temps de jeu. Ça fait longtemps qu'il rentre pas. Eh ben, prédit, est-ce que Vitor Roque rentre en jeu en deuxième mi-temps? Voilà, j'ose espérer que oui. J'aimerais bien qu'il ait du temps de jeu. S'il en a pas aujourd'hui, il y a intérêt qu'il joue contre Almeria, hein, voire titulaire même. Je vous dis gentiment, hein. Je vais aller répondre au GOAT Laurent Zidane quand même, les gars, sur Discord. Le comeback aussi sur le Didi. 3-4 sur le Nant. La vérité, mettez votre maison sur le Nant. Je vous le dis gentiment. Ça buguait encore à 18h le jeu. Carter, ça buguait, t'es là? Je vois des messages comme quoi ça buguait. Moi, ça marchait, hein, tout à l'heure, en milieu d'après-midi. Ça bug ce soir? Les matchs, ça remarche. Je réponds. Hop. Puis je n'oublierai pas d'aller voir la vidéo d'Axo Skill après, c'est important. Tillmans égalise et relance les Villains. Un partout, les gars, entre du coup, si je dis pas de bêtises. Non, 2-1 pour Liverpool, les gars. 2-1 pour Liverpool contre Aston Villa. Et un partout entre la Fio et Monza. Ça n'arrête pas. Même faire un putain de SBC, c'est une galère. Non, mais sérieux. Oh. Franchement. Alors, moi, ça, je suis quand même content parce qu'au début, ça buguait. J'ai quand même pu faire mes matchs. J'ai quand même pu faire ma coupe. J'ai pu ouvrir mes packs. Mais si ça rebug, faut, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Les gars, j'en profite, hein, pour l'exclamation vidéo. J'ai passé un coup de gueule pour répondre à la vidéo de Passion Gaming. N'hésitez pas à aller liker la vidéo et à la partager, les gars. C'est important. C'est important. Prédit en cours, les gars. Est-ce que Vitor Roque entre en deuxième période? J'ose espérer que oui. Donc, première mi-temps, les gars. Compliqué quand même pour le Barça. Qui, honnêtement, techniquement, peine à exister. Il y a vraiment... un très gros travail de la part des Basques qui font un super match. Maintenant, les occasions dangereuses sont pour le Barça. On a un poteau de Rafinha, une reprise de Gundogan qui finit au-dessus. Par intermittence, le Barça arrive à se montrer dangereux. Et c'est le Barça qui a ouvert le score par l'intermédiaire de Lamine Yamal suite à un très très beau mouvement, les gars. Récupération de Pedri.
qui trouve Lewandowski. Le contrôle de Lewandowski est magnifique. La passe, elle est tout autant. Pardon. Pour décaler Gundogan, les gars, et Gundogan. Gundogan qui donne un amour de ballon à Lamine Yamal. Et Lamine Yamal qui fait une passe au filet. 1-0. Super golasso de la part du jeune prodige. Mais en tout cas, c'est pas simple. Hein. La Sociedad fait un très bon match. Même si au final, je trouve que techniquement, le Barça galère. C'est le Barça qui s'est créé le plus d'actions avec un poteau et un but. J'ai même pas lancé Rivos aujourd'hui, flemme de prendre une déco en x2, ouais, j'avoue. Merci à ceux qui regardent la vidéo. N'hésitez pas à voter pour l'après-dit. Est-ce que pour vous, Lamine Yamal rentre en seconde période? En sachant que ça fait longtemps qu'il n'est pas rentré. Si je dis pas de conneries. Je sais même pas si ça remonte encore son dernier match. Hein. Je vous le dis. Il y a 1003 sur le oui, 3K sur le non. Mais en tout cas, les gars, je vous invite vraiment à aller voir le but du Barça. C'est un amour d'action. Hein. La récupération de Pedri. Ce que fait Lewandowski, c'est 5 étoiles. Mais vraiment, hein. Le contrôle orienté est somptueux. La passe quasiment sur le même appui dans la profondeur pour Gundogan, elle est parfaite. Et Gundogan, qui, voilà, hein, la subtilité de Gundogan, qui trouve la petite passe décisive entre les jambes du défenseur basque. Et voilà, Yamal, la finition de Yamal, par contre, il faut en parler aussi, elle est vraiment somptueuse. Maintenant, il va falloir appuyer, hein. Il faut mettre ce deuxième but, il faut se mettre à l'abri. On est à Becker, les gars. Becker fait une très bonne première période. Hein. Becker, il met en difficulté Koubarsi. Hein. Koubarsi qui il fait sa mi-temps, mais il est dans le dur quand même. Hein. En fait, Becker, il part souvent sur le côté en fait, de Koubarsi. Et ouais, Koubarsi, dans la vitesse, dans l'impact physique, il a un peu plus de mal. Ça veut dire quoi qu'il entre en deuxième mi-temps? Bah, est-ce qu'il joue ou pas? Genre, il est remplaçant, est-ce qu'il va rentrer, quoi? J'ai regardé ce soir en mangeant. J'aime bien regarder ce genre de vidéo quand je graille. C'est très gentil, Babyface. Merci. Mais voilà, c'est le même genre que Passion, c'est pour répondre et soutenir, entre guillemets, ce qu'a lancé Passion. Et je sais qu'Axo a fait une vidéo, il faudrait que j'aille voir également ce que ça dit. Pourquoi tout le monde met non? Bah parce que ça fait longtemps que Roquet, il joue pas, en fait. Xavi, je sais pas pourquoi il le fait pas jouer, ce qui est pas logique. Roquet, c'est un joueur qui aurait dû arriver cet été. Xavi a insisté pour qu'au lieu de venir cet été, il vienne cet hiver, pour l'intégrer à l'effectif. Au final, il joue très peu. Au début, il rentrait à chaque fois. Il jouait 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Il a une ou deux titularisations et c'est tout. Il a très très peu de temps de jeu. Et là, dernièrement, il joue plus. Et je sais pas pourquoi. Xavi ne le fait plus du tout jouer et ça fait chier, quoi. Donc c'est cohérent qu'il y ait plus de non que de oui. J'ose espérer qu'il aura quelques minutes, quoi. Et si aujourd'hui il joue pas, il y a intérêt que contre Almeria, il soit titulaire. Hein. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Putain, tu signes un crack brésilien. L'Europe le voulait, ce mec. L'Europe le voulait. Le gars, c'est un crack. Et au final, il va au Barça pour que Xavi ne le fasse pas jouer, alors que c'est Xavi qui l'a voulu. C'est des choses qui me dépassent. J'adore Xavi, mais là, ça, c'est des choses qui me dépassent totalement, les gars. Allez, il reste 8 minutes, les gars, avant la reprise. Et là, il y a Yamal qui rentre direct, ça serait beau. Yamal, Roquet. Après, voilà, qu'il soit pas titulaire, moi, les gars, je le comprends. Mais il doit avoir du temps de jeu à un moment donné, quoi. Il faut le faire rentrer, quoi. Tu dois le faire jouer 15-20 minutes par match au minimum. Si tu veux l'adapter à l'équipe, au football espagnol, t'as pas le choix. Là, l'attaque type, elle est là, hein. Rafinha, Lewandowski et Yamal, il n'y a pas de débat, c'est l'attaque titulaire, il n'y a pas de souci. Ferran et Yamal doit pas être... doit pas être, être mis en avant. Enfin, je bégaye. Il y a une truc qui m'a perturbé. Mais genre... quand je vois que Ferran Torres, il rentre systématiquement parfois à la place de Lewandowski et que Roquet ne rentre jamais. Roquet qui est un 9. Et quand il rentre sur le côté. À la limite, soit. Fais-le rentrer sur le côté, ça apporte une aide à Lewandowski. Mais fais-le rentrer, quoi. Fais-le jouer, bordel de merde.
Cet après-midi, j'ai switch entre ton stream et celui d'Axo. Il a pété un cap sur le jeu. Il a parlé d'autres streamers sans citer de nom, comme quoi ils étaient des faux culs, hypocrites, etc. Et de pas avoir les cornes de boycott le jeu. Après, tu vois, moi, Babyface, comme je dis dans la vidéo, moi, j'aime le jeu. Il y a des choses qui sont pas normales et j'en parle dans la vidéo. Il y a énormément de choses qui sont pas normales. La tournure que prend le jeu, les gars, c'est pas la bonne. Et clairement, il faut en parler. Maintenant, comme je dis, hein, moi, s'il y a tous les streamers qui se réunissent et qui disent venez, on boycotte. Moi, il n'y a pas de souci, je boycotte. Le stream, hein. Si on nous dit pendant une semaine, on stream pas dessus, et ben allez-y, feu. Maintenant, comme je dis, ça reste un jeu qu'on aime malgré tout. Le mode fut, on aime ça malgré tout. Mais c'est, pour moi, boycott, c'est pas réellement ça qu'il faut. C'est, comme je dis, moi, comme je le dis dans la vidéo, il faut attaquer les points FIFA. C'est les points FIFA qu'il faut réduire. Si tu veux faire réagir eSport, il faut leur donner moins d'argent. Arrêtez de mettre des points FIFA et... Si toute la commu, si tous les streamers se réuniraient et ne mettraient plus un seul point FIFA, si tous les streamers, dans tous les streamers, t'en as aucun qui met des points FIFA et ils incitent tous leur commu à ne plus mettre de points, croyez-moi, là, il y aurait un manque à gagner côté eSport. On va droit dans le mur, comme Amslo l'a dit hier dans un tweet. Ah ouais, mais Amslo, il a... C'est bien si ça commence à délier un petit peu certaines choses. Tu payes le jeu, c'est pas pour gaspiller l'argent et ne pas y jouer. Non mais bien sûr, mais après il y a joué et joué. T'inquiète pas, hein, j'ai 730 heures sur le jeu, il est rentabilisé le jeu. Mais regarde l'Indiga sur du PSG. Donnarumma. Après c'est prévisible, hein. Tu mets Donnarumma, meilleur GK. Bon, malheureusement, moi j'aurais préféré voir un Bizot, hein, le Chevalier, d'autres joueurs. Quand en Belgique, il faudrait simplement les bannir. En Belgique, ils ont compris. Tu fais ça en France, le manque à gagner, je pense qu'il serait colossal. Parce que je crois qu'en France, on est des très très gros consommateurs de points FIFA. Hier, j'étais avec une copine que je vois rarement au stade. Et on voit que Gamero était pas titu. Il a mis Emega à la place alors que c'était le dernier match de Gamero à la méno. On a pété un câble. Après, il est rentré quand même, je crois. Il a joué la fin de match. Puis il a quand même eu un hommage. Hein. J'ai vu, les joueurs l'ont porté en victoire, etc. Légende hein, du côté de Strasbourg, Kevin Gamero. Hein. Moi aussi j'aurais mis Lucas Chevalier. Le Chevalier c'est pas ligament croisé du coup. Hein. Les gars hier dans le multiplex on a vu Lucas Chevalier qui est sorti sur blessure. Il va être blessé 6 à 8 semaines. C'est pas les ligaments mais malheureusement il risque de rater les JO avec l'équipe de France et ça fait chier. Ça c'est une grosse tuile quand même. Non mais dire boycott le jeu c'est un peu extrême. Non mais boycott une semaine. Genre ce qu'il disait, ce que disait Passion, ce serait par exemple pendant une semaine, aucun streamer ne stream le jeu. Et tout le monde met un tweet en identifiant eSport. Ça, moi, je serais chaud pour le faire. Je dis pas. Je jouerai, je streamerai autre chose. Pendant une semaine, c'est pas grave. Je ferai mes matchs hors live. Et puis, voilà. Mais genre, si ne pas streamer le jeu, en fait, c'est ça qu'il disait. Après, comme je dis, que tous les streamers ne streament pas le jeu pendant une semaine, ça serait bien. Mais je pense pas que ça servira à grand chose. Je pense pas que ça servira à grand chose. Mais en vrai, ça serait... Ça peut se faire, quoi. Mais pour moi, il faudrait se réunir et vraiment inciter et parler fort et dire ne mettez plus de points FIFA à la commu. Même si, comme je dis, je répète, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Moi, je critiquerai pas les gens qui décident de mettre de l'argent. T'es pété de thunes. T'as envie de mettre des thunes dans FIFA. Eh ben, fais-toi plaisir. Eh, il y en a, ils achètent des clopes tous les jours. Ben, entre acheter des clopes ou mettre des points dans un jeu virtuel, tu fais chier personne hein, en mettant des points dans ce jeu. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que si tu voulais que les choses changent, pour moi, ça passe par là. Tu mets moins de points FIFA dans le jeu. Évidemment, ils auront un manque à gagner. Évidemment, ça les fera peut-être plus réagir. Que si nous, on stream pas pendant une semaine, je suis pas sûr qu'ils en aient quelque chose à foutre. Même si, c'est vrai que si vraiment tout le monde se passerait le mot, je pense que ça aurait un impact. Tous les streamers FR, tout le monde serait ensemble. Il y en a aucun qui stream. Toutes les commus, évidemment, ça jacterait. Donc ça rajouterait. Les commus soutiendraient les streamers. Là, je pense que ça ferait peut-être quelque chose. Mais pour moi, c'est impossible de réunir tout le monde sur ça. C'est pour ça, moi, comme j'ai dit, moi, je suis un peu détaché, je suis pas dans l'extrême. Moi, les gars, le jeu, je l'aime malgré tout. Il y a des défauts, je le prends comme il est malgré tout. Mais comme je dis, moi, je soutiens ça. Il y a une tournure, les gars, moi, j'ai commencé FUT en 2015. Il y a des choses qui sont mieux, mais est-ce que le jeu, il est en train de tourner? Il y a des choses qui vont pas. Et s'il doit y avoir quelque chose, je soutiendrai ce quelque chose. Maintenant, voilà. Malgré tout, je reste un joueur de FUT et je lâcherai pas le jeu quand même. Hein. Mais s'il faut boycotter une semaine et que tout le monde est d'accord... Moi, je boycotte avec les gens, il n'y a pas de souci. Je vous balance la pub avant le début de la deuxième période, comme ça on est tranquille.
Et on va se diriger tranquillement sur la deuxième période. Moi aussi j'aurais mis le clash, je vais dire merde. Oui, nous sommes de gros consommateurs de microtransactions sur le jeu, mais les Anglais nous mettent une tempête comme Batesson qui met 104 points FIFA depuis la TOTS. Après oui, c'est voilà, il y a des entre guillemets, mais si déjà tous les FR arriveraient à se réunir, tu vois. Après les autres communes, faut laisser. On peut pas y faire grand chose. C'est vraiment que ça fonctionne qu'ils ne payent pas le prochain FIFA. Ouais, mais ça c'est pareil. Tu peux pas. Les gens l'achèteront le jeu. Et comme je dis, la part eSport, il gagne rien avec l'achat du jeu. Hein. D'ailleurs, j'aurais dû en parler dans la vidéo. Je l'ai pas fait, j'aurais dû dire. eSport, pour faire un geste envers la commu, le jeu devrait être gratuit. Parce qu'en fait, les gars, je suis convaincu que l'achat du jeu à 70 ou 100 euros, comparé au point FIFA, ça représente même pas 5%, voire même pas 10% du chiffre. Je suis certain. Et on a Malbox, t'es pas consciente de ce qui se passe sur le jeu. Tous les jours, dans la boutique, les gens, ils achètent des packs. Un pack, il coûte 45 euros. T'achètes deux packs, comme ça, t'as remboursé le prix du jeu. Le jeu, il coûte rien. Ça leur rapporte rien, l'achat du jeu. Hein. Rien du tout. Sur l'année, ça leur rapporte absolument rien. Avant, le pack le plus cher, c'était 20 euros. Avant, le pack le plus cher, c'était 20 euros. Baldé qui montre un truc sur son téléphone à Yamal. Et 20 euros, c'est déjà cher. On pétait un câble, un pack à 20 balles. Et là, t'as des packs à 45 balles. Enfin, à un moment donné, c'est... On va y venir au pack à 1 million, mais ça, tu vois, la tournure là, pour moi, elle est pas, là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. J'ai les pubs, donc je peux pas entendre ta réponse. Je disais, ouais, pour les Anglais, enfin, c'est rien que les FR, tout le monde se réunirait, ce serait déjà une bonne chose. Après, tu veux pas réunir toutes les communes de chaque pays, ça, c'est pas possible. Je comprendrais pas pourquoi mettre de l'argent pour acheter un truc si j'ai un jeu virtuel. Moi, je peux comprendre. T'es pété de thunes, t'as envie de te faire plaisir sur le jeu pour kiffer ton expérience de jeu. Tu sais, comme je dis, il y en a, ils achètent de l'alcool toutes les semaines, il y en a, ils achètent des clopes, il y en a, ils achètent... Ils font des paris sportifs, il y en a, ils vont acheter des tickets à gratter. C'est le même principe en soi. Après, si tu peux te le permettre, tu fais ce que tu veux. Moi, je jugerai jamais les gens, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Mais que eSport propose des packs de cette valeur-là, où dedans tu packs de la merde, où ils te mettent des probabilités, ils te font croire que tu vas packer du lourd alors que c'est faux, ils écrivent pack en promo en gros, alors que c'est pas vrai, c'est pas des packs en promo, c'est pas normal. Maintenant, si quelqu'un veut acheter le pack à 45 balles, il achète le pack à 45 balles, tu vois, il fait ce qu'il veut. Mais si voilà, si les gens veulent que ça change, bah, il faut arrêter justement d'acheter ces packs-là. Là, ils auront un manque à gagner et là ils feront peut-être quelque chose. Voilà. En tout cas, point, voilà. Vous avez, comme par hasard, j'en parle, et le Wizbot, il vous met le lien. N'hésitez pas à aller poser le like sur cette vidéo, les gars. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, les arbitres. Je crois qu'il y a une couille de micro. Je sais pas ce qu'ils foutent. Après, oui, il peut clairement se la permettre. Il est blindé, Batesson, c'est presque 1000 balles par semaine. Mais c'est ça, mais... Les gars, moi, je serais riche. Je serais riche, je serais millionnaire. Bah ouais, je mettrais... Non, après, j'abuse. Quand je dis millionnaire, t'es pas obligé d'être millionnaire pour mettre des points FIFA. Mais si tu peux te le permettre, tu fais... Tu vois, tu... Autant payer 45 euros dans un walk. Non, mais c'est sûr. Mais il y en a, voilà, c'est leur passe-temps, tu vois. Si tu passes ton année à jouer au jeu, que tu mettes un peu de points FIFA, c'est pas déconnant. Mais après, voilà, chacun... Moi, à l'époque où il n'y avait pas la version ultime, il n'y avait pas les points FIFA, je mettais 200 euros par an. Hein. Je mettais 100 euros à la sortie du jeu, puis je mettais 100 euros à la TOTY. J'ai fait ça pendant 2-3 ans, pour me faire plaisir. Mine de rien, c'est beaucoup 200 euros dans le jeu. Hein. Mais à l'époque, c'était pas ça. Tu mettais 200 balles, tu ouvrais des packs à 15K, t'en ouvrais plein. Là, c'est des packs à 700 000 points FIFA à 45 balles, c'est bon. Tu ouvres deux packs, tu mets 100 balles, ça sert à rien. Même si c'est des gros packs, c'est un sketch quoi. Bon allez, début de la seconde période. Super passe de Christensen, extérieur du pied pour Rafinha qui va aller au bout. Rafinha qui rentre dans la surface au crochet. Ah, il est bousculé. Très bonne défense. Robin Lenormand qui met la main, qui va écarter Rafinha sans faire faute. C'est très bien défendu. Eh, la passe de Christensen était belle. Hein. La trivella extérieur du pied, c'était magnifique. Le mec, il a totalement raison. Ça encore, c'est rien sur Renan. Ouais, mettre autant de packs en boutique, surtout des packs à 45 euros. Enfin, franchement, faut doser sérieusement. Ouais, c'est ça, mais après, ils trouvent preneur. Donc, la question, c'est où sera la limite? Où sera la limite? On va continuer à monter, du coup. Dans les proportions qui sont lunaires. Et comme j'ai dit, vous verrez, j'en mets ma main à couper qu'un jour, le jeu, au lieu d'acheter des packs, on achètera directement les joueurs avec de l'argent.
J'en suis convaincu. Genre, on aura des bacs toujours, mais il n'y aura plus de marché des transferts. Si vous voulez acheter un joueur, vous ne pourrez plus. J'en suis sûr. C'est soit tu le packs, soit tu l'achètes avec de l'argent. Genre, Harry Kane Tote, il coûtera 50 euros. C'est sûr. Sancho Tote, il coûtera 2 euros. J'en suis persuadé. Et ils te feront des cartes qui sortent dans les packs et des cartes qui sortent en boutique. Exprès, pour que les cartes en boutique, tu les aies pas dans les packs. Pour te forcer à les acheter. Vous verrez, on y viendra tôt ou tard. Comme ça, les gars, plus de marché des transferts. Ça veut dire plus de transfert de crédit, plus d'achat de crédit, plus d'achat-revente, plus de trucs falsifieux où ils n'arrivent pas à contrôler. Comme ça, ils auront le plein pouvoir. Et ils géreront tout. Et ça obligera les gens à mettre des points. Et dans un sens, tu mettras ton argent, tu sauras ce que tu récupères. Oula, mauvaise relance, corner. Corner pour le Barça. Tu mettras ton argent, tu sauras ce que tu récupères. Si t'achètes Kane 50 euros, bon bah c'est cher, mais t'achèteras Kane. J'en suis convaincu que ça sera comme ça un jour. Et comme ça, les gens n'auront que des invendables. Bientôt, t'auras un pack à... Mais Babyface, on en parlait cette année, j'entendais les streamers en parler, j'en parlais aussi en live. Je pensais qu'il sortira à la Toti, ce pack-là. Vu les prix, je pensais qu'il sortira à la Toti. Mais l'année prochaine, il existera le pack. Là, on monte à des sommes, on se rend pas compte. Il y aura forcément un pack à 100 balles un jour. Avec un Totti garanti ou je sais pas. Bon allez, le corner. Rafinha. La frappe de Rafinha, elle est belle. Oh. De très très peu au-dessus de la barre transversale. Très bonne action. Hein. Rafinha, il est dans son match. Hein. Il est là. Hein. Il a eu du déchet dans son jeu, mais il est à l'initiative d'énormément d'actions. Hein. Quand on fera les tops et les flops, ça va être à noter ce que fait Rafinha en tout cas. Faire le break là. Hein. Et là, Marie Traoré qui va se faire chipper le ballon. Bien Koubarsi. Becker, pardon, qui se fait chipper le ballon. C'est bien Koubarsi, il est un peu en train de prendre le dessus sur Becker. C'était dur en première mi-temps. Becker lui a vu plusieurs fois le bouillon. Et là, il revient bien Koubarsi. Hein. Il est très agressif et il l'empêche de se retourner. Donc c'est bien, il faut qu'il continue comme ça. Ramiro qui va jouer avec Merino. Torientes. Toriente. Test, pardon. Les packs à 45 cette année, c'est un test, je pense, et à mon avis, ça a bien marché. Donc, le prochain phase, je ne serai pas étonné pour la Totti ou Totti Ultime. Mais bien sûr, mais c'est évident. Après, Totti Ultime, c'est peut-être un peu tard, mais ils en feront un par event, ça se trouve, ils sont capables. Déjà, de toute façon, puis même, c'est trop. Moi, les gars, j'ai pas de soucis si tu sors un pack comme ça de temps en temps. Mais là, c'est les gars, tous les jours. Tous les jours, il y en a. Vous imaginez ce qu'ils gagnent en vrai. Si derrière le jeu, il serait parfait, mais non, ils nous pondent un jeu. Gros, tu peux pas y jouer là. Aujourd'hui, les serveurs ils sont cassés. Tu prends des décos quand tu veux lancer un match. Tu vas mettre des. T'oses mettre des packs à 50 boules. Et tu nous ponds des serveurs qui marchent pas. À un moment donné, il faut se remettre en question. 2-3 fois par semaine, mais c'est trop. C'est trop. Puis des packs. Il y a des très gros packs et des packs moyens, mais tous les jours t'as des packs. C'est nimp. Allez, Christensen, Pedri, possession du balle. Possession de balle, pardon, dans le camp. Derrière la Sociedad pour le FC Barcelone. La très bonne passe intérieure, dommage. De la part d'Inigo. Inigo, il fait des bonnes choses, balle au pied. Hein. Oh, bien joué. Oh, Christensen qui se fait chipper le ballon. Attention, la profondeur. Et Becker à la course face à Koubarsi. Anticipation de Ter Stegen, bien joué. Relicia. Les mecs se font 10 milliards chaque année pour les mêmes pas avoir des serveurs même corrects. C'est du foutage de gueule. Et voilà, les bugs dans le contenu aussi. À un moment donné, oh là là, il y a mal le sombrero, bien joué. Il ressort sur Pedri. Tayama, il fait du bien. C'est encore lui, il empêche qu'il allume la lumière, quoi. C'est fou, hein. C'est quand même terrible que ça soit un gosse de 16 ans qui allume la lumière à chaque fois côté Barcelone. Hein. Allez, Pedri, Christensen. Pedri en possession du ballon. Il attend, il faut qu'il les appelle, hein. Pedri, il est capable de donner cette passe laser. Hein. Inigo, qui va trouver Lewandowski. Oh, la poussette, là. Il siffle pas, mais c'est fou. Allez, le balle de Pedri, magnifique. Pour Rafinha, ça va être intercepté. Gundogan, le pio. Ouais, il y a faute. Il y a pio de Gundogan. Il lui met le carton. Ouais, je crois qu'il. Oula, oula, oula. Ils sont en train d'appeler. Et Gundogan qui sera suspendu pour le prochain match. Bon, contre Almeria, c'est pas dramatique. Hein. Est-ce qu'il le touche? Je pense que oui. Hein. Oui, aïe. Il a vraiment pris le crampon au visage. Il a vraiment pris le crampon au visage. C'est involontaire, mais il y a vraiment crampon au visage.
Il y en a un qui lève le pied haut et un qui baisse la tête basse. Je pense qu'il saigne. Hein. Toi, cette année, toutes les dingueries dans le jeu, le gameplay, les serveurs, les menus, les mauvaises traductions des packs. C'est... Mais oui, mais il n'y a jamais autant de bugs, c'est là où c'est le problème. Plus on avance dans le temps. Moi, les gars, en 2015, ça n'existait pas des bugs de contenu comme ça. Là, il y a trop de bugs, ils te sortent des SBC, c'est pas les bons joueurs qui sortent, c'est n'importe quoi. Très dangereux le move, ouais, ça fait mal. Meilleur entraîneur de Ligue 2, Christophe Pélissier. Auxerre, hein, c'est ça? C'est pas déconnant. T'as Sochaux à l'époque, on le voulait, Pélissier. Aïe, aïe, non, ça c'est. C'est dangereux. Après, le jaune est mérité. Hein. Pour moi, tu peux pas mettre rouge. Mais le jaune est mérité. Parce que là, il y a un jeu dangereux et. Ça m'a surpris au début, mais non, il prend quand même le visage. Après, voilà, il veut pas faire mal. Hein. Il retire son pied et en retirant son pied, il va toucher le visage. Il saigne. Et ah, j'aimerais bien, il montre pas sa tête. Un petit poil, bon, non, ça va. Mais il s'est fait quand même cramponner le visage. Hein. C'est. Non, ouais, tu peux pas. Puis même si c'est volontaire, même si c'est pas volontaire, il y a. Quand c'est les pieds vraiment crampons contre le thorax, là, oui. Il y aurait mis un. Vraiment le crampon plein visage, comme ça, oui. Mais là, tu vois qu'il essaie de retirer le pied, c'est involontaire. Tu vois dans le mouvement qu'il y en a un qui baisse la tête et l'autre qui lève le pied, il essaie de le retirer, c'est jaune mérité parce qu'il le touche vraiment, tu vas pas mettre plus que jaune. Quand c'est rouge, c'est vraiment le pied vraiment très très au visage, là où il ne faut pas y être et que ça va vraiment cramponner le visage, quoi. Comme avait fait une fois Griezmann sur Firmino, je crois. Mais le jaune est mérité. Hein. Le jaune est mérité. Allez, fais-nous rentrer Roquet, putain. Fais-nous passer la cote, Xavi. Allez, touche pour Cancelo. Pour Pedri. Le changement, non. Pedri qui temporise, il revient là, sur ses pas. Koubarsi. La bonne passe intérieure pour Christensen. On va trouver Koundé sur le côté droit. Koubarsi encore. Ter Stegen. Passe intérieure, c'est bien joué. Déviation Lewandowski. C'est souvent comme ça qu'il crée les actions. Hein. Passe plein axe, déviation derrière le décalage effet. Il fait du bien, Levan. Il fait un bon match malgré qu'il n'ait pas d'occasion. Il se bat bien, il récupère des ballons. Il résiste au pressing et il dévie très très bien. Allez, bonne défense de Yamal. Ça sera un corner, malheureusement. Oh, il y avait 6 mètres. Il n'y avait pas corner. Il y avait une très bonne défense de Yamal. Il a tiré sur le défenseur, en fait. Il n'y avait pas corner, les gars. J'espère que ça va pas prendre un but là-dessus. Hein. Mais il n'y avait pas corner. Il y avait 6 mètres pour le Barça. Erreur d'arbitrage. Ouais, ils ont failli l'encaisser. Hein. Allez, ça va. Personne la touche. Ça va aller. Eh, bonne récup de Pedri. Qui va dégager sur Amari Traoré, la touche sera barcelonaise. Ah, c'était travaillé, hein. Un qui laisse au premier poteau. Et Yoyer Zabal qui essaie de couper au milieu du. Dans l'axe, en fait. C'est travaillé à l'entraînement, ça. Tire fort, le premier laisse passer. Et ouais, derrière, ça tente la déviation. Pedri. Cancelo qui ressort avec Inigo. Long ballon d'Inigo, ça va être récupéré. Et Koundé qui va être sur la trajectoire. La bonne passe pour Yamal. Allez, va travailler. Un contre un. Yamal. Ah, la bonne défense. La bonne défense d'Aramburu. Il va trouver Merino. Qui va trouver Becker. Non, ouais, bonne défense. Bonne défense de Koubarsi. Pedri qui relance sur Gundogan. Yo, Tonito. Comment on va? Inigo Martinez à la relance. Gundo. Dommage, ça gagne. Ouais, mais c'est dur, hein. Franchement, la Sociedad, ils font un super match. Mais malgré tout, les occasions, les plus grosses occasions sont pour le Barça. Même si on a très peu, il y a eu un poteau et il y a un super but. Super but de Yamal qui est phénoménal. Honnêtement. Bon, tranquillou, hein. Tranquillou. Il met un super but, Yamal. Hein.
C'est une superbe action, quoi. C'est une des rares belles actions d'ailleurs du Barça en première période. Allez, touche de Koundé, déviation de Lewandowski, ça va être récupéré, Brice Mendes, le bon ballon, et bonne couverture d'Inigo. C'est, ça a du mal à récupérer, la défense de... Eh bien, Rafinha qui ressort sur Joao Cancelo. Cancelo qui remise en retrait, Inigo qui va rejouer avec Kubarsi. Il y a un pressing de Becker, le bloc basse qui est en train de monter dans le camp barcelonais. Et bon crochet de Yamal qui revient intérieur. Yamal qui va accélérer, qui crée encore un décalage. Yamal, ah il a de la trophée, il doit la lâcher. Il obtient la faute, carton jaune, très très bien joué, mais il doit jouer Gundogan en vrai. Mais qu'est-ce que fait Yamal encore les gars, c'est quand même une folie ce qu'il fait ce jeune gars. Il a 16 ans. Il a 16 ans. Ce qu'il fait c'est lui qui allume la lumière quoi, encore ce soir et qu'est-ce qu'il fait là encore. Après il doit lâcher sur Gundo hein. On risque de parler de meilleurs joueurs de Ligue 1 et pour la bonne cause, on va venir dans le meilleur club du monde. N'empêche, sa place n'est pas faite à Madrid. Hein. Il va devoir la mériter parce que Rodrigo, Vini, Bellingham, bon, on sait qu'il va jouer, mais va. Va falloir qu'il charbonne le gaillard. Il est plus jeune que ma petite soeur de 17, atroce, mais c'est folie. Oh, il a encore des bagues aux dents. Allez, en coup franc, jouer court, Gundogan, sur le côté, Yamin Amal. Il ressort. Rafinha, allez, mets-moi un bon ballon. Rafinha, ça passe pas le premier rideau, c'est mal dosé. Ça revient sur Cancelo. Le meilleur gardien de Ligue 2, c'est celui de Saint-Etienne. C'est Green, non? Ou c'est plus Green? Parce que les gars, je sais qu'à l'époque, c'était Green. Ter Stegen qui ressort avec Martinez. Non? Ah, ok, bon. Je ne sais pas. Long ballon, et Martinez, hein. Les relances sont bonnes, tête de Lewandowski. C'est ça qui est bien avec Martinez, c'est qu'il est propre, il a un bon pied gauche. Bon contrôle orienté de Christiansen, Jules Koundé qui va les trouver. Lamine Yamal sur le côté, allez Yamal, allez, le bon crochet encore, oh là là là, le double crochet, il élimine deux joueurs. Il revient sur Kubarsi. Ah, Yamal, il est en train de vraiment rentrer dans son match là et il fait vraiment mal. Hein. Première mi-temps, il avait beaucoup de ballons dos au jeu, il avait du mal à se retourner et là, il arrive un peu plus à faire des diffs. Ter Stegen à la relance. Allez, pas de dinguerie, s'il te plaît. Cancelo qui va jouer avec Kubarsi. On va arriver à l'heure de jeu. Toujours 1-0 pour le Barça. Gundogan qui essaie de lancer Koundé. Bonne défense. Des Basques. Pacheco. Aramburu qui va trouver... Torrientes qui ressort une nouvelle fois avec Pacheco. Et là, ils sont un peu. Ouais, les Basques, ils ont du mal. Ça combine bien au milieu de terrain, mais ils essaient pas de mettre beaucoup de rythme, quoi. Merino, il fait son match tranquillement. Torrientes, c'est pareil, c'est pas mal. Brice, ça joue bien, mais ça manque de folie dans leur jeu. Sergio Roberto, Ferran Torres et Fermín López à l'échauffement. Et pas de Roquet. Roquet qui ne s'échauffe pas. Gauthier Larsen. Ah oui, c'est Larseneur. Putain, j'avais zappé, excuse-moi. Mais oui. Il y avait deux sur Twitter qui vient de poster Axo, je te laisserai. Oui, j'ai regardé. Laurent, il m'a dit, Laurent Zidane. Il m'a dit d'aller la regarder. J'irai la voir juste après le stream. J'ai vu qu'il avait mis une vidéo de 3 minutes sur Twitter. Oh, attention, le long ballon de Torriente dans la profondeur. Oh, le bon contrôle de Oyarzabal. Il a le compte favorable. Marie Traoré qui va trouver Brice Mendes, la frappe. Très bon tacle défensif de Kubarsi. Ça va revenir malgré tout. Regarde sa balle qui lance Amari Traoré, Amari qui revient sur lui, la fin de centre elle est bonne, le centre et la bonne défense de Rafinha, ça va sortir en corner. Gavi, quoi qu'il a fait une rechute, on me l'a dit mais je l'ai pas vu. Que genre sa récup elle est retardée, c'est ça ou pas? C'est vrai qu'on m'en a parlé, j'ai même pas été voir, j'ai même pas vu. Allez, le pied gauche.
je crois, de Bryce Mendes pour botter ce corner. Ça va être rentrant. C'est bien frappé. La tête de Cancelo. Heureusement, il y avait Oyarzabal juste derrière. La volée de Amari Traoré. Ça va sortir tranquillement en 6 mètres. On a dépassé l'heure de jeu. Toujours 1 but à 0 pour le Barça qui reprend sa seconde place. Harry Ron. Pour l'instant. Allez, Koubarsi. Le long ballon de Koubarsi, il est bon. Allez, bon contrôle de Lewandowski. Robert Lewandowski qui va temporiser. Il a du champ, il peut avancer. Il progresse tranquillement dans le camp adverse. Il a le soutien de Yamal sur le côté droit. Il va le servir. Yamal qui revient sur son pied gauche. Il remise avec Jules Koundé. Gundogan. Pedri. Gundo. Et Yamal. Et l'accélération de Yamal. Encore une fois. Encore une fois, c'est lui. Ah, il y a une bonne défense d'Aramburu. Ils ont voulu vraiment que jouer le joueur. Ils se sont bien sortis. Hein. Il revient en octobre-novembre. Maintenant, j'avais... Ouais, putain. Donc, c'est sûr. Est-ce que c'est vrai que j'ai pas lu, j'ai pas vu ça sur Twitter. Parce qu'on en a parlé en live il y a une semaine et j'ai pas vu ça sur Twitter, en fait. Donc, il y a vraiment une rechute. Enfin, sa récupération est plus longue, pardon. Putain, sans déconner. Il aura loupé un an de compète. Plus d'un an, je crois. Oh, la bonne relance d'Amari Traoré pour aller trouver Oyarzabal. Oyarzabal qui revient sur lui-même. Le changement d'aile est précis. Meilleur joueur de Ligue 2, c'est Gauthier Hein. Oh, ouais, mais lui. Déjà l'année d'avant. Hein. L'année dernière, ils étaient en Ligue 1. L'année d'avant, ils étaient en Ligue 2. Gauthier Hein, il avait fait une saison de fou en Ligue 2. C'est trop fort pour Ligue 2, des joueurs comme ça. Rafinha. Inigo. J'ai peur, hein, le Barça. Faudrait pas qu'ils gèrent trop le match. J'aimerais bien qu'ils aillent mettre le deuxième. Hein. Il faut pousser là, il faut aller chercher ce deuxième but pour se mettre à l'abri. Allez, Jules Koundé sur le côté droit. Lamine Yamal qui va envoyer Koundé en profondeur, c'est très bien joué. Et le bon tacle défense. Bon, là, il y a faute là, et oui. Jules Koundé qui était passé par-dessus le tacle. Mais évidemment, il s'est quand même fait accrocher, carton jaune logique, sur ce tacle de Pacheco qui évidemment accroche Jules Koundé qui était passé sur son dribble qui allait amener le danger dans la surface. Il a fait un petit piqué juste dessus le tacle et ouais, il se fait accrocher quand même. Allez, le pied gauche de Rafinha ou le pied droit de Gundogan pour frapper ça. Rentrant ou sortant. Une petite tête de Christensen, pourquoi pas. N'hésitez pas à follow, en tout cas s'il y a des nouveaux, ça fait plaisir. Bienvenue à ceux qui arrivent. Allez, c'est joué court. Gundogan, qui va fixer, qui va trouver Rafinha. Rafinha, attention, faut pas la perdre. Oh là là. On va ressortir avec Cancelo. La petite feinte pour Pedri. Pedri, la passe intérieure pour Rafinha. Il a du champ. Il va tenter la frappe enveloppée. Oh la claquette extraordinaire de Remiro. Elle était pleine lucarne, cette frappe de Rafinha. Magnifique tentative de l'ailier brésilien. On voit Pedri qui va trouver la passe intérieure pour Rafinha qui est démarqué. Le contrôle. La frappe est très très belle. Elle est vraiment sous la barre. Et Remiro qui se déploie pour aller la chercher. Main droite. Elle était vraiment belle cette frappe. Hein. Excellente tentative. Allez, Gundogan qui va aller frapper ce corner. C'est rentrant, c'est sur Remiro, ça va revenir sur Rafinha. C'est tout le temps tiré fort sur le gardien pour pousser à l'erreur. Hein. Le bon ballon en tête d'Admari Traoré pour s'en sortir. Et récupération une nouvelle fois de Rafinha. Attention, ouais, dégagement de Cancelo, il fallait pas perdre ce ballon. Rafinha depuis le PG, il est incroyable. Mais Rafinha, il a fait une double confrontation contre le Paris Saint-Germain, juste énorme. On va pas se mentir, hein, il a été énorme. Là, il fait un très bon match. Hein. Il y a eu du déchet et tout, mais en première période, il a quand même... deux décalages qui créent facilement. Derrière, il loupe la passe D. Il a deux passes D et potentiel à faire qui loupe. La PES pour Lewandowski, elle centre en retrait pour Gundogan. Mais à part ça, il fait vraiment du bien et il a l'initiative de beaucoup d'actions quand même. On a deux bons ailiers aujourd'hui entre Yamal et Rafinha. Deux profils différents, hein, dans leur travail. Et bonne couverture de Koubarsi. Koubarsi, il fait mieux là. Hein. C'est dur hein, face à Becker. Becker le met beaucoup à l'épreuve. Le met beaucoup vraiment à l'épreuve. Mais Koubarsi. Il est meilleur en deuxième qu'en première pour le moment, Koubarsi. Meilleur dans la couverture.
Récupération de Gundogan, la très bonne relance. Non, c'est récupéré par Bryce Mendes. Le crochet de Mendes, magnifique. La frappe de Mendes, ça finit à côté des cages. Oh là là, ce qu'il vient de louper. C'est invraisemblable qu'il tire à côté. Il fait le plus dur. Il fait le plus dur, les gars. Gundogan qui loupe totalement sa relance. C'est très bien tenté. Hein. Si ça passe, le décalage est fait. Malheureusement, c'est intercepté par Bryce Mendes qui fait un bon contrôle. Le crochet sur Kubarsi est magnifique. Et derrière, la frappe, elle est trop croisée. Ça vient flirter avec le poteau. C'était moins une, les gars. C'est vraiment pas passé loin. Très belle action de la part de... Oh là là, bien joué Lewandowski qui va lancer Yamal. Allez, Yamal, mets-la dans la boîte, s'il te plaît. Il ne le fait pas. Il crochette. Le crochet de Yamal à la Ousmane Dembélé. Il pousse trop loin son ballon, mais il va se battre pour essayer de le récupérer. Ah, il aurait dû tenter la passe sur Rafinha. Il doit la mettre, cette passe. Ah, c'est dommage. Il doit tenter de lui mettre pied droit. Il y avait une passe devant le but à tenter, là. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ça aurait été bien de faire le break là-dessus. Attention, il y a un double changement. Barrenechea et Kubo qui vont rentrer. Ça risque de faire très, très mal au Barça. Hein. Et côté Barcelone, ça va être Fermín López et Sergi Roberto qui vont faire leur entrée. Bryce Mendes, oh bien joué Bryce Mendes pour Oyarzabal. Il y a quand même des sacrés bons gauchers. Hein, quant à Merino, Bryce Mendes, Oyarzabal, ça tricote le ballon. Hein. J'aime beaucoup le match que fait Merino. Vraiment. Hein. S'il y a des nouveaux les gars qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à lâcher le follow. On n'est pas loin des 7800. Si vous aimez le contenu réac de foot et le contenu FIFA les gars, parce que je fais du FIFA sinon en règle générale, n'hésitez pas à lâcher le... Le follow, je vous mets le point d'exclamation vidéo, les gars, pour ceux qui aiment FIFA. Oh, la mauvaise relance. Oh, dommage, Lewandowski. Point d'exclamation vidéo, n'hésitez pas à aller checker la vidéo, les gars. Coup de gueule que j'ai posté en réponse à la vidéo de Passion Gaming. Pour le soutien, bien sûr. Allez, bon contrôle de Merino qui se met dans le sens de la marche. Il va trouver Yarzabal entre les lignes. Attention, le danger. Il va décaler côté gauche. Aramburu qui va fixer Jules Koundé, le centre-pied gauche au deuxième poteau. Oh, le beau contrôle d'Amari Traoré, magnifique. Il remise Merino, Merino sur son pied gauche. Pedri face à lui, petite passe intérieure, la bonne couverture d'Inigo Martinez qui dégage en touche. En tout début de saison, c'est comme Roquet, après son carton rouge, ça s'arrête à fait, il a du mal à retrouver sa place titulaire, sauf que Roquet a jamais eu. Mais en fait, Roquet, le problème c'est qu'il joue plus. Tu le fais même plus jouer, quoi. C'est ça le problème. Faut le faire jouer à un moment donné, quoi. Mais il le fait même plus jouer. J'ai noté de gros clash entre Kylian Mbappé et son président Nasser Al-Khelaifi au Parc des Princes. C'est une dinguerie. Sortie de Pedri et de Christensen, c'est cohérent les gars. Pedri, on prend pas de risque, on évite de le surcharger. Sortie de Pedri, entrée de Fermín López. Sortie de Christensen, entrée de Sergi Roberto. Les deux ont fait leur match. Ouais, Fermín hein, qui va apporter son explosivité. Sortie de Pacheco, sortie de Becker. Alors, attendez, ouais, l'entrée de Kubo, les gars. Hein. Barrenechea, Kubo, des très bons joueurs de foot. Hein. Et on est rentré dans les 20 dernières minutes, les gars, hors temps additionnel. Hein. Amari Traoré, débordement, le centre. Et attention, la volée. Bonne défense de Jules Koundé là-dessus. Et Sergi Roberto qui va dégager. Allez, Robert Lewandowski qui va se battre. Récupération de Rafinha qui remise. Peut-être pour Robert Lewandowski. Lewandowski qui résiste au physique. Le changement d'aile est bon. Très bon match à Lewandowski, les gars. Dans le jeu collectif, il est omniprésent. Yamal qui remise avec Jules Koundé. Yamal encore. Ah, il se fait déposer du ballon. Il y a faute. Il y a faute de Tierney, les gars. Sur Lamine Yamal, il avait l'air d'avoir bien jailli. Il doit être légèrement en retard. On va voir ça. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il prend pas le ballon. Il prend plus le pied de Yamal. Comme si c'est pas méchant. C'est fait quand même. Coup franc pour Rafinha.
Inigo, attention, il y a un pressing là par des entrants. Ils veulent mettre la pression rapidement. Oyarzabal qui est passé en neuf du coup avec la sortie de Baker. Je suis surpris qu'ils n'ont pas fait rentrer Sadik. Hein. Sadik, il avait énormément pesé au match aller, je me rappelle. Hein. Le grand attaquant nigérian, je crois. Il avait vraiment fait mal. Allez, déviation. Ah, bonne tête de Lewandowski pour Rafinha. Le contrôle, ça remise sur Lewandowski. Lewandowski qui va sûrement décaler. Cancelo, c'est fait côté droit. Cancelo qui revient avec Sergio Roberto. Encore Cancelo. Petit râteau pour revenir sur lui-même. Gundogan qui va servir Koundé. Yamal qui ressort avec l'allemand. Le changement de côté. Inigo. Allez, il fait, voilà. Il tente ses passes. Elle est contrée, mais c'est pas grave. Il tente les passes à l'intérieur, c'est bien. Quand t'as quand même un pied comme celui-là, c'est intéressant. Il a quand même, évidemment, défensivement, je préfère Araoro. Mais Inigo, dans ce match, il a fait du bien. Balle au pied. Beaucoup de relances sont dans la bonne zone. Il a vraiment un pied gauche d'une qualité quand même certaine et ouais, il a fait pas mal de passes à l'intérieur qui ont emmené des décalages quoi. Il n'hésite pas à les tenter en tout cas, c'est très très bien. Allez, Remiro, le long ballon sur le côté, c'est très précis. Ça va être pour Kieran Tierney qui a du champ, attention, il faut revenir. Le centre au deuxième poteau, il est un peu long, ça va aller au deuxième pour Kubo. Kubo qui va être face à Cancelo, il va le fixer, il va travailler, il rentre pied gauche, la frappe enveloppée, et c'est capté par Ter Stegen heureusement. Bonne séquence et très bonne frappe de la part de Kubo, mais c'est anticipé par Marc-André Ter Stegen qui capte ce ballon sans trop de difficulté. Cancelo, long ballon, ça va être récupéré par la défense basque, Amari Traoré. Brice Mendes, Amari Traoré, Brice Mendes, Amari Traoré. La passe à... Hey, attention, il faut être vigilant. Kubo face à Inigo, le bon tacle. C'est limite, mais c'est un bon tacle de la part d'Inigo. Il a de la réussite. Il n'y a même pas corner en plus. Mais là, il s'en sort bien, parce qu'il a vraiment tenté de découper... Taki Kubo. Il va obtenir le 6 mètres. Koubarsi commence à de nouveau à son niveau. Il a une première mi-temps qui est compliquée. Ça n'a pas été simple face à Baker. Après, Baker a un petit peu levé le pied et Koubarsi a vraiment pris la mesure de son adversaire avec beaucoup d'interventions justes et de bons jaillissements. Mais il y a faute. Les gars, ça fait 3 fois que Robin Lenormand il accroche Lewandowski, ça n'est jamais sifflé. Ah, les gars, sérieux. Ça fait 3 fois que Robin Lenormand il fait des fautes d'anti-jeu sur Lewandowski, c'est jamais sifflé quoi. Oh, René HTA, la bonne sortie de balle pour Merino. Allez, il faut que les Basques mettent du rythme s'ils veulent arracher quelque chose. C'est pas en jouant comme ça qu'ils vont s'en sortir. Dégagement de Remiro. Poitrine d'Inigo pour jouer avec Gundogan. Qui lui remet. Allez, la sortie. Attention, il y a un pressing. Ter Stegen qui va être obligé de balancer pied gauche. Ça va aller dans le camp de la Sociedad. Mais bonne récup de Fermin qui va trouver Lamine Yamal. Allez, Yamal sur son pied gauche. La petite remise pour Fermin Lopez. Allez, Fermin frappe. C'est contré. Il la revient. Le contrôle est un peu long. Gundogan à la récup pour 25 mètres qui va décaler comme Lamine Yamal. Lamine Yamal sur son pied gauche. Oh, il a tenté le petit ballon pour Lewandowski. C'est intercepté. Kubo qui récupère. Kubo qui va se remettre sur son gauche. Qui va aller chercher sur le côté droit. Sur le côté gauche, pardon, Barinaccia. Allez, bonne passe pour Brice Mendes. Et le centre de Mendes, ça c'est un peu se débarrasser du ballon. Tranquillement contrôlé par Cancelo. Et la relance propre pour Gundogan. Le meilleur entraîneur de Ligue 1, Eric Roy. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau, par contre. Ça fait plaisir. Ferran Torres qui va rentrer, les gars. Bon réact, je repasserai à la Madrid. Vas-y, c'est gentil. Bonne soirée à toi, à la prochaine. Hein. Lewandowski qui sort pour Ferran Torres. Alors, Robert qui fait un très bon match. Hein. Pas buteur, mais il est à l'origine du but. C'est lui qui crée le décalage. Et dans son jeu collectif, il a vraiment fait un bon match. C'est pas tout le temps le cas, mais là, il a fait un très bon match, Lewandowski. Il a beaucoup apporté. Et là, tu fais rentrer Ferran. Alors, le fait que Robert sorte aujourd'hui, ça annonce sa titularisation jeudi. Hein. Il sera titulaire jeudi contre Almeria, c'est sûr. Mais bon, là, tu vois, tu fais rentrer Ferran dans l'axe.
Il y a quand même. Bon ballon, Ferran, poitrine pour Rafinha, c'est bien joué. Rafinha qui rejoue sur Ferran. Le contrôle, la frappe de Ferran. Oh, la claquette de Remiro. C'est dommage. Ferran qui a failli marquer dès son entrée en jeu. Ah, c'est bien joué. En vrai, c'est très bien joué. Hein. Bon plat du pied, puissant, claqué. Oh, quel arrêt. Quel arrêt de Remiro. Il va la chercher derrière lui, les gars. Il est entré de surface. Il est pris à contre-pied. La main ferme. Il va quasiment la chercher derrière lui. Ça va flirter avec le poteau. Ça sort en corner. Superbe occasion. Et Ferran qui a failli me faire mentir et qui a failli marquer dès son entrée en jeu. J'aimerais qu'il fasse rentrer Roquet. Okay, j'aimerais. Mais là, s'il a fait rentrer Ferran, ça sent mauvais pour Roquet. Okay. Encore une fois, le corner direct de Rafinha. Boxé par Remiro. Corner, non? Non, il a sifflé une faute. Il y a une faute sur Remiro. Et pour Eric Roy, ça fait plaisir. Hein. Bon, Lewandowski qui rate dans le vide. Il réfléchit. Pas bon, ça. Mais pour Eric Roy, ouais, les gars, c'est bien qu'ils mettent pas Enrique la facilité, quoi. Et bon effort de Ferran pour récupérer le ballon, c'est bien joué. Tant qu'on gagne, c'est bon, c'est sûr. Mais j'aimerais voir Roquet, et putain, il reste 13 minutes, quoi. C'est que c'est mérité. Et Fermin qui accroche légèrement. Coup franc pour les Basques. Tierney qui joue sur le côté. Ouais, la mauvaise passe pour Barrenechea. C'est contré par Yamal. Ça va être pour les Basques. J'ai pas vu, mais bon. Allez, Brice Mendes, Tierney. Bonne défense de Yamal. Si ça finit 1-0, les gars, on pourra dire merci Yamal encore pour le but. Hein, même si, je répète, c'est quand même Lewandowski qui a l'origine. Hein. Et la passe d'Edgundo est très très belle. Mais voilà, Yamal, le finisseur. Entrée de Yarzabal et Zakarian. Sortie de Bryce Mendes. Sortie de Bryce Mendes et Damari Traoré. Il reste 12 minutes pour faire entrer Roquet. Putain, les gars, s'il joue pas contre Almeria jeudi, c'est chaud par contre. Allez, touche encore. Attention à pas prendre ce but et à pas regretter les situations manquées. Hein. Ça va être une longue touche de la part de Tierney. Directement dans la surface, attention, oh là, la tête pour s'en sortir. Ferran qui se fait contrer. C'est faux de Ferran? Hein? Ici, il fait une faute de Ferran? Non. Non mais le Normand, il passe entre les gouttes à chaque fois. Ferran qui... Ah si, si. En vrai, si. Si, si, il a raison. Récupération de Romain Lenormand, puis Ferran il lui tire dessus. Si, si. J'ai rien dit. J'ai rien dit autant pour moi. Je pensais que sur le ralenti, il était en position du ballon et que c'est l'autre qui lui shootait dedans, mais non. Ferran contrôle le ballon de la poitrine. Romain Lenormand vient lui chipper pendant que le ballon est en l'air et Ferran vient lui tirer dans le pied. Il y a faute, évidemment. Et là, c'est un coup franc. C'est un coup franc extrêmement dangereux pour les Basques. Hein. Plein axe. Attention, attention à ne pas encaisser maintenant. On est rentré dans les 10 dernières minutes de ce match. Toujours un but à 0 pour le Barça qui récupère la deuxième place à rerun pour le moment. Attention à ce coup franc extrêmement bien placé. Et c'est frappé. Ça va, facile. L'arrêt de Ter Stegen sans trop de difficultés sur ce coup franc bien frappé malgré tout. Zakarian qui, ouais, c'est presque plein axe en vrai, c'est pas trop dangereux pour Ter Stegen. Et Gundogan qui va jouer sur le côté, Cancelo côté gauche.
La passe pour Rafinha, Rafinha, la petite balle piquée pour Cancelo, allez, c'est magnifique, fais-la, Dunzi, non, il n'a pas le droit Cancelo. Oh, il loupe totalement son contrôle, il se fait chipper le ballon. Il doit la mettre. Il fait un contrôle pourri, il doit la donner. Il s'excuse auprès de Ferran, mais il doit la décaler tout de suite. Il fait une touche de balle en trop. C'est pas possible là, Cancelo depuis Paris, c'est dur. Oh là là, Cancelo, j'en peux plus. Du coup, pour la prédit, ça se passe comment? La prédit. La première, j'ai voté. C'est le Barça qui a mené au score. Celui qui avait voté Barcelone, c'est passé. Et là, c'est notre prédit qui est en cours. Allez, le corner de Gundogan. Récupération de. Ouh, bien tenté. Rafinha, pied droit. Au-dessus des buts. Ah ouais, Cancelo, il tente un contrôle, il doit pas. Enfin, il essaie de faire une conduite de balle au moment où il doit faire la passe. C'est pas bon. Il doit faire la passe tout de suite. Ferran est tout seul. C'est but. C'est une PES. Ferran a juste à pousser le ballon. Et en fait, Cancelo, il veut s'emmener le ballon plus loin. Il doit pas le faire. Allez, Sergio Roberto. Qui trouve Lamine Yamal. Ah oui, mais j'ai pas eu mes points. T'avais voté quoi, Kylian? Ah oui, parce que si t'as voté Barça, tu les as eu, hein. Il y avait 500 sur le oui. Bah, ça devait être toi, du coup. T'as dû te mettre bien. Et là, la prédit, c'est ce que Vitor Roque va rentrer en seconde période. Et là, pour le moment, bah, c'est mal barré, hein. Yo, camping, comment ça va? La forme? Remiro qui balance sur le pressing de Ferran. Récupération de Kubarsi. Kubo qui se fait chipper le ballon par Cancelo. La sortie sur Ter Stegen. Bah écoute, ça va tranquillou, hein. Bon stream FIFA, on a fait la cup tout à l'heure. Et là, on est en réac Barça. Ils sont en train de mener 1-0. C'est pas folichon. Mais bon, ils se sont créés les occasions les plus dangereuses. Alors, tant qu'il y a 1-0, je suis pas serein. On n'est pas à l'abri. Mais bon. Allez, long ballon d'Inigo. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de solution. Kubo, le bon contrôle, la talonnade pour Rizzola qui va travailler face à Cancelo. Il est passé. Heureusement, il y a l'aide d'Inigo Martinez pour suppléer Cancelo. Je suis à plus 5 000 pour le moins. J'espère que ton Barça gagne car en posant 5, j'ai fait 51 en posant 4 matchs. C'est vrai? Ferran Torres qui est excentré. Il y a deux appels. La passe en retrait. Sergio Roberto décale Yamal. Yamal, le crochet. Non, Yamal. Il aurait dû tirer tout de suite. Il a tenté le crochet. Il aurait dû frapper. Première intention, pied gauche. Il a voulu se remettre sur le pied droit. C'est dommage. Dommage, dommage. Liverpool 3-2. T'as mis quoi, Liverpool? T'as mis quel match? Bon, j'imagine t'as mis Liverpool. Bon, pour l'instant, le Barça, ça sent pas trop mal. Hein. Faut pas qu'ils prennent le 3-3. Putain. En plus, Aston Villa, attention. Hein. Bonne passe, bien joué Kubarsi pour les Yamin Lamal qui sont dans le sens du but. Il se fait accrocher par Barenetchi. Ah, il n'en a rien à foutre, il avance, il travaille, il va frapper. Oh là là, mais quel joueur, quel joueur, les mecs, quel joueur, quel match il est encore en train de faire. C'est incroyable ce qu'il fait à 16 ans. Il se fait accrocher, il résiste, il met une frappe, ça va flirter. Ah, c'est 2 mètres à côté, malheureusement, mais sur le crochet tout à l'heure, bon, il doit pas crocheter, il doit la jouer pied gauche hein, sur Tierney. Tierney s'est pas laissé embarquer. Mais qu'est-ce qu'il fait encore Yamal? C'est vraiment fou. Meilleur gardien de Liga, c'est Donnarumma. Moi, j'aurais plus mis peut-être Chevalier, en vrai. J'ai mis Union, Bruges. Liverpool win, Barça win, Flow win. La Fio, ça win aussi. Yo, The Charles, comment il va? Salut Gary, comment vous allez, les mecs? Comment vous allez? Allez, corner frappé par Ilkay Gundogan. On est rentré dans les 5 dernières minutes en attendant le temps additionnel. Fini 2-1, Dak. Et la claquette de Remiro, ça va revenir sur Rafinha. Bon, ça va tranquillou, hein. Allez, Cancelo. Inigo Martinez, il me reste la une du Barça et Liverpool. Ce qui se tiennent les deux à un but. Hein. Et bonne passe intérieure pour Gundogan. Attention, le contrôleur a été raté, il se fait déposséder du ballon. Ça va partir en transition. Oh la passe. Mauvaise passe de Merino, c'est rare. Pour Kubo, il a mis dans le dos, ça a obligé de ressortir. Le meilleur joueur français qui allait voler à l'étranger, Antoine Griezmann. C'est cohérent.
Ils viennent de dire ok. Félix ne rentre pas et je pense que, on pense, je pense que le message est clair pour Roquet. Mais là, ça me saoule. Xavi, il insiste avec Ferran, pourquoi? Parce que c'est lui qui a voulu Ferran. C'est son joueur. C'était un choix de Xavi. C'est pour ça qu'il insiste avec Ferran. Après que tu fasses entrer Ferran, ça me dérange pas, mais là tu peux très bien enlever Rafinha et mettre Roquet. Faut arrêter quoi. But de Liverpool hors jeu. Troisième ce soir. Ils ont Morata ou quoi? Allez, Torrientes qui va trouver Odrozola. Qui va décaler Kubo sur le côté. Kubo, Kubo qui rentre sur le pied gauche. Il va fixer. Kubo, le centre. Bonne tête de Gundogan. Et la récup de Fermín López qui va lancer Cancelo. Cancelo qui va déborder côté gauche. Il revient intérieur. L'appel croisé de Rafinha. Il va lui donner. Je pense qu'il est en position d'hors-jeu. L'arbitre laisse jouer. Rafinha, là, oh, le centre était bon pour Fermín, c'est défendu, bien défendu. Oh, la faute, là, bien sûr. Merino qui vient bousculer Cancelo, c'est faute. 3-3, non. Folie. Là, Merino qui semble sec, qui semble un peu souffrir physiquement, là. Hein. Yo, comment il va, Amir? Bah, ça dit que le Barça gagne 1-0. Match compliqué, mais ça gagne pour l'instant. Ouah, et Romelu qui va rentrer. Puis Roquet, putain, fais-le jouer, même 2 minutes. Putain, ça me fatigue. Ça va être frappé par Rafinha. Pied gauche. Je pense qu'il va la tenter, les gars. Le coup franc, ah, c'est contré. Et récupération de Fermín, c'est contré encore. Est-ce qu'il y a main? Ça réclame main, les gars. Après, est-ce que ça touche pas un autre membre du corps avant de toucher la main, le bras? Non, tu peux pas siffler main, ça touche la jambe avant. Il y a main, mais ça touche la jambe. La main, elle est comme ça, hein, mais ça touche jambe et bras. Tu peux pas siffler main, normalement. Mais ouais, la main était bien décollée, il y a bien main, mais ça se siffle pas, c'est pas faute, c'est pas pénalty. Ter Stegen, qui va allonger. Très propre, pour Fermín, l'excellent contrôle, Fermín qui se met dans le sens du but. Ah, il était trop vite, il a temporisé. Il a tenté de tout de suite trouver Ferran, il aurait pas dû. Rafinha, pardon. Ça va, Amir, la forme? Moi, ça va, les gars, tranquillou, hein. Demain, les gars, stream FIFA, l'après-midi, on fera playoff et peut-être un peu de rivals. Et pas company. Allez, on balance Ter Stegen. Rafinha. Cancelo. Cancelo, il se fait chipper le ballon par Odrozola. Ça va partir sur son couloir. Kubo qui revient sur le gauche, il élimine. Il va trouver Merino plein axe. Ça continue sur le côté gauche avec Barrenechea, le bon centre, un peu trop rentrant dans les gants de Ter Stegen. Et on va rentrer les gars dans le temps additionnel. Putain, c'est... Il y avait... il y a double main en vrai d'Odrozola, pardon. Sur le coup franc, il touche le banc de la main, et ensuite il compte la frappe, ça retouche sa main, quoi. C'est fou, c'est un truc de fou. Quatre minutes de temps additionnel. L'arbitre qui siffle, je sais pas ce qu'il fait. Ah, la VAR. Il va avoir la VAR pour la main, les gars. Sur le coup franc, sûrement. Il y a la VAR. Bah, il va juger quoi, sur le coup franc? Neuf minutes. Ah, sérieux, waouh. Après, ils ont le temps, tu me diras.
Et là, il juge pas la main là, ils ont pas compris les commentateurs. Il est en train de juger la main sur le coup franc. Penalty! Penalty pour le Barça, j'avais dit 2-0, ça semble 2-0 les gars. Il met carton André Zola. Ok. Bon, le carton, c'est pas mérité, hein, mais. En fait, c'est sur le coup franc, hein. Les commentateurs, ils ont pas compris là. Ils croient qu'il est en train de juger le péno sur le. Sur le second, mais non, c'est pas là. Hein. C'est pas sur le second ballon, c'est sur le coup franc. En fait, le coup franc, il est contré par la main d'un défenseur dans la surface, donc péno, quoi. C'est sur le coup franc là. Là, elle est touchée. Là, il y a main là. Oui, là, elle est sifflable. La deuxième n'est pas sifflable, mais la première, elle est sifflable. Là, il y a main. Ah oui. Là, il y a main tous les jours. Et voilà, ils viennent de comprendre, les commentateurs, que c'est bien cette main là qu'on juge et pas la deuxième. Mais il fait deux mains sur la même action, Yerzabal. Hein. La première n'est pas sanction... La première est sanctionnable, la deuxième ne l'est pas. La première, il contre vraiment le ballon de la main sur le coup franc. Évidemment, c'est péno. La deuxième. Ça tape sa jambe avant de taper la main, c'est évidemment pas sanctionnable. Et là, c'est un coup franc. Possibilité de 2-0, je suis le seul à avoir dit 2-0 dans les pronos. Est-ce que pour une fois, je vais avoir bon, les gars? Ça va être frappé par Rafinha. Ça serait mérité. Bien sûr. Ça serait mérité pour le Brésilien qui fait un super match. Et il mérite ce but. Il a beaucoup tenté, il a beaucoup frappé. Il mérite ce but. Et j'espère qu'il va concrétiser. Oui, péno pour le FC Barcelone. Suite à une main dans la surface, c'est frappé par le Brésilien Rafinha. C'est Filoche, les gars, 2 buts à 0. Le Barça qui se dirige vers une victoire qui fait plaisir, qui est importante. Et le 2 buts à 0, les gars. Magnifique. Le péno, il est imparable. Et Rafinha, ça vient ponctuer son très bon match. Hein. Il fait un super match, Rafinha. 2 buts à 0, les gars. Moi j'avais dit 2-1 Barça. Je viens de mettre l'équipe type de la Ligue 1 sur le Discord. D'accord, j'irai checker. Rafinha qui up à 93 au moins. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai, il fallait 2 buts, je crois. Et il sort suite à ça. Suite à ce but. L'entrée de Oriol Romeu. Eh ben, Roquet ne sera pas rentré, les gars. J'aime beaucoup Xavi, vous le savez. Mais la gestion de Roquet. C'est désastreux. C'est désastreux. Tu dois le faire jouer. L'Europe le voulait, ce putain de crack. Tu le fais signer pour le laisser sur le banc, ne jamais le faire rentrer. Ça me casse les couilles. Allez, sortie de Gundogan, entrée d'Oriol Romeu. De toute façon, le match va être terminé. Il reste 1 ou 2 minutes. C'est ouais, une victoire plutôt tranquille au final. Voilà, hein. La Sociedad a fait un bon début de match. Techniquement, les gars, honnêtement, sur la première demi-heure, la Sociedad était meilleure techniquement. Mais le Barça a su se réveiller et a été bon. Hein. Sixième but de Rafinha en championnat, les gars. Sixième but. Sixième but pour le Brésilien. Yamal en est à 5 déjà, c'est fou quand même. Je suis deg de ne pas avoir Roquet, hein, donc l'après-dit, voilà, ça sera non. Alors les gars, il n'a pas fait rejouer Roquet aujourd'hui. J'ose espérer qu'il jouera. J'ose espérer que Roquet jouera jeudi. Parce que le Barça rejoue jeudi, hein. Si Roquet ne joue pas, ça me casse les couilles. Ce serait temps de le faire jouer, quoi. Allez, Barrenechea, qui va partir? Est-ce qu'ils vont réduire le score? Eh, la petite faute, non? Non, c'est réveillé debout. Bonne défense de Yamal. Koundé. Koundé qui va lancer Yamal. Ça va sortir en touche. Yamal qui se fait un peu chahuter par Tierney. C'est un sacré match en tout cas, Liverpool, ça pousse. Ouais, mais 3-3. En même temps, choc de PL, hein, Aston Villa Liverpool. Hein. Pareil, hein, typiquement le genre de match. J'ai Canal, j'aurais pu le regarder. La passe de Rafinha pour Ferran, c'est récupéré. Bon, après là, non, il y a le Barça qui joue, quoi qu'il arrive, j'aurais regardé le Barça. Mais ça, c'est des affiches d'Angleterre qui font rêver. Hein. Et le Barça qui concrétise et qui valide cette deuxième place et qui repasse devant Riron. Tierney qui trouve Barrenechea. Dégagement de Sergi Roberto. Donc oui les gars, si le Barça ne fait pas jouer contre Almeria Roquet, je comprends pas. Hein. Mais je vous dis, hein, Xavi il a sorti Lewandowski à la 70-75e. C'est parce qu'il sera titulaire une nouvelle fois contre Almeria. J'en mets ma main à couper que Lewandowski sera titulaire contre Almeria. Alors qu'il pourrait très bien faire jouer Roquet. Fin du match les gars. Fin du match, victoire 2 buts à 0 du FC Barcelone. Je vous balance la pub.
Je vous balance la pub et on va débriefer ça rapidement, les gars. On va faire le petit débrief. On va juger les tops et les flops du match. L'homme du match officiel, c'est Lamine Yamal, les gars. On va débriefer ça. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. En tout cas, victoire validée par le FC Barcelone, les gars. Et on va débriefer ça ensemble. Et du coup, je verrai l'après-dit. Hein. Malheureusement. Il n'a pas fait rentrer Roquet. Tu deg, moi. La gestion de Roquet, ça me déprime. Franchement. Fais-le jouer, putain. Fais-le rentrer 10 minutes, quoi. Allez, j'attends les 20 secondes de pub restant et on va se débriefer ça, les gars. Mon cash out à 35, c'est déjà ça de prix. T'as cash out? Genre, t'avais un cash out à... Putain, bien le cash out. Allez, pub terminée, les gars. Donc là, vous avez les notes de Flash Score. Flash Score qui est d'accord avec ce qui s'est passé IRL, hein, c'est Lamine Yamal. Qui est désigné homme du match. On va débriefer ça, les gars. Ter Stegen qui était très bon. Ter Stegen, les gars. Bon, on va déjà, attendez, faire le petit bilan quand même du match, même si on l'a fait avant. Du coup, les gars, le Barça qui valide cette victoire. 2-0. Ils ont fait le break en toute fin de match avec le pénalty transformé par Rafinha. Qui est venu à la suite de l'ouverture du score en fin de première période. Évidemment, du crack Yamal. Ça part de Lewandowski. Passe des deux Gundo pour Yamal. En vrai, les gars, un bon match du Barça, ça a été un peu rompiche malgré tout. Ça manquait parfois de mouvement, notamment en première mi-temps. Je trouve que les 35 premières minutes sont vraiment un peu trop mollassonnes. Ça manque de choses, de beaucoup de choses d'ailleurs. Techniquement, la Sociedad au début fait un super début de match. Par contre, après, ils ont un petit peu sombré. Et le Barça a vraiment pris le dessus. Et quand tu regardes au final les occasions, tu te rends compte que le Barça s'en est créé beaucoup plus que son adversaire du soir. Et c'est pas volé, quoi, cette victoire. On a un Rafinha qui a beaucoup tenté. Il y a eu des très très beaux arrêts de gardien. Hein. Rémi Rowe a quand même enlevé 2-3 bons ballons extrêmement chauds. Oui, il est resté, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est assez fou quand même. Tant mieux pour toi. Hein. Donc là, on va regarder les notes, les gars. Ter Stegen, il a une très bonne note. Un clean sheet, ça fait plaisir. C'est rare. C'est rare en ce moment que le Barça assure un clean sheet. Donc waouh, ça fait plaisir. Il a fait des arrêts. Il a eu des arrêts pas simples. Il les a fait. Donc très bon match de Ter Stegen. Ça me fait extrêmement plaisir. Jules Koundé, les gars, très solide sur son couloir. Il a quasiment jamais été pris à défaut. Très bon défensivement. Pas mauvais dans les relances. Il s'est même permis de faire une roulette à un moment donné. Enfin bref, très bon match de Jules Koundé. Qui aurait même pu obtenir un pénalty en première période ou en début de deuxième, je ne sais plus. Parce qu'il fait quand même une très bonne action sur le côté. Il se fait un petit peu découper par deux joueurs. Malheureusement, c'est pas un péno. Mais voilà, très bon match de Jules Koundé. Ter Stegen, ça parle à l'Ittihad. Ah ouais? Ils vont encore faire une razzia, l'Arabie Saoudite? C'est possible, hein? GG le cash out, Coco. Koumarsi, les gars. Koumarsi, il était dans le dur en première période. Il faut le noter, c'est clairement pas son meilleur match. Mais en deuxième période, par contre, très très bon. On a eu un Koumarsi qui a été mis en difficulté par Becker. Très bon match de Becker en première période, notamment dans les 30 premières minutes où il a vraiment poussé Koubarsi de par la vitesse. Physiquement, en fait, la combinaison vitesse-puissance a fait mal à Koubarsi. Par moments, Koubarsi s'est fait un petit peu bouger. Mais dans l'ensemble, Koubarsi, au final, a repris le dessus. Et il sort de ce match, au final, avec, je trouve, une bonne performance, une bonne prestation ce soir. Malgré ce début de match compliqué. Inigo Martinez, très propre. Il n'a pas été beaucoup chahuté. Parce que Becker, en fait, Becker a quasiment attaqué systématiquement côté Koubarsi. Donc en gros, on a quasiment pas vu Inigo en difficulté. Tout ce qu'il a eu à faire défensivement, il l'a très bien fait. Et il a été très très bon dans les passes. Très très bon dans les relances. Il a tenté les passes qui cassent les lignes, comme le fait Koubarsi. Et il en a réussi beaucoup. Des bonnes passes au sol, un jeu long aussi précis. Et la vérité, c'est que Martinez fait un très bon match ce soir. Alors Cancelo côté gauche.
Cancelo, techniquement compliqué, il y a eu beaucoup d'erreurs techniques, chose qui à la base, il nous a pas habitué à ça, Cancelo, justement. Il nous fait à la base une saison extraordinaire. Malheureusement, techniquement, aujourd'hui, il y a eu des gestes excellents, mais des fois, il loupait le plus simple. C'est-à-dire qu'il arrivait à créer le décalage, mais il loupait la passe simple. Il a loupé la course, il a loupé des contrôles. Il y a pas mal de gestes simples qu'il a loupés. Si je dois dire des plus et des moins dans la défense, honnêtement, Inigo n'a pas été chahuté. Là où Cubarsí a été chahuté, mais après Cubarsí, justement, Cubarsí a été beaucoup plus mis à contribution. Et en deuxième mi-temps, il était très bon. Donc Inigo, certes, il fait un match peut-être plus clean que Cubarsí, mais il a eu beaucoup moins de difficultés aussi. Donc Cubarsí, au final, dans la difficulté, a su s'élever. Donc très bon match. Mais là, honnêtement, pour moi, c'est limite Cancelo qui a été le moins bon. Après, défensivement, il n'a pas trop été emmerdé. Mais je pense que c'était le moins bon des défenseurs. On passe au milieu de terrain. Match sobre, comme d'habitude, les gars. Christensen, il fait un bon match. Il fait un bon match à la récupération. Deux, trois bonnes phases de jeu, bonnes passes vers l'avant. Évidemment, on va pas lui demander énormément techniquement, hein, donc ça reste un match neutre malgré tout, dans l'apport qu'il peut avoir offensivement, mais sincèrement, c'est un match très correct de la part de Christensen. Pedri fait un bon match. De toute façon, en vrai, personne n'a fait un mauvais match, hein. Pedri fait un bon match, très présent au milieu de terrain, il touche beaucoup de ballons. Ça manque un peu de passes clés, ça manque de décalage créé. Je trouve qu'il en a fait pas suffisamment. Après, voilà, il a la récup de balle sur le premier but, c'est lui qui récupère. Il a quand même su créer des phases, mais c'est pas du grand Pedri qu'on a eu ce soir, malgré tout. Gundogan, les gars, Gundogan qui nous fait du Gundogan. Un bon match. Quelques erreurs à noter quand même, notamment une erreur qui aurait pu coûter un but sur la mauvaise relance où il a rendu le ballon à Bryce Mendes qui a derrière fixé et qui n'a pas cadré. Mais bah, dans l'ensemble, un bon match de Gundogan. Il est passeur décisif. Super passe décisive d'ailleurs pour Lamine Yamal, on le rappelle. Gundogan qui bat son record en carrière de passe décisive sur une saison, avec une passe décisive de plus ce soir pour Yamal. Et bah, un bon match dans l'ensemble. Et les trois offensives ont pour moi fait un très bon match. Rafinha, les gars, j'ai adoré son match. Voilà, je vais pas le mettre homme du match, mais je le mets juste en dessous. Voilà. Il fait un match excellent, il a beaucoup tenté, il a eu du déchet en début de match, et c'est là où ça m'a fait chier, parce que putain, début de match, les gars, il a deux balles, il les négocie très très mal, où il fait le plus dur en fait. Il fait le grand pont, derrière il a la passe simple à faire, il fait une passe de merde. À un moment donné, il loupe une PES aussi, voilà, et derrière il s'est mis en jambe, et il a fait un très bon match, il a été bon dans les déviations, il est à l'origine d'énormément de situations en fait, de par son jeu en une touche, de par sa percussion, de par sa qualité de pied, il a beaucoup frappé, il a heurté le poteau. Il y a une très grosse parade de Remiro et à la fin il est récompensé de son bon match avec ben, un penalty logique, mais voilà, c'est lui qui le transforme donc ça vient concrétiser et valider son très bon match. Lewandowski, les gars, aujourd'hui n'est pas buteur. Généralement, quand il n'est pas buteur, il est transparent par moment. Et ben ce soir, il n'a pas été transparent, il était très très bon. Il a beaucoup pesé sur la défense, il n'a pas hésité à aller au charbon, il n'a pas hésité à aller au casse-pipe avec des défenseurs basques rugueux qui ont vraiment mis des coups. 3-4 fois, 3 fois de sûr, on a le Normand qui fait des fautes d'anti-jeu qui ne sont pas sanctionnées, alors que c'est des fautes qui peuvent presque valoir jaune, mais il n'a jamais été sanctionné. Voilà, Lewandowski a su faire dos rond, faire ce qu'il fallait, il a bien résisté, que ce soit dos au jeu, il a gardé beaucoup de ballons, il a très très bien orienté. Le but, les gars, l'ouverture du score, ça part de lui. Si vous n'avez pas vu le premier but, si vous n'avez pas vu le premier but, allez voir ce que fait Lewandowski. Le contrôle orienté, la passe cachée pour Gundogan dans la profondeur, c'est du grand football. C'est ce qu'est capable de faire Lewandowski. Ça vient, malgré le fait qu'il n'ait pas été décisif aujourd'hui, ça vient valider un très bon match parce qu'il est quand même à l'origine de l'ouverture du score. Et comme j'ai dit, il a beaucoup pesé. Il était très très propre dans son jeu collectif. Et j'ai bien aimé le Lewandowski de ce soir. Le Barça qui se remet en place pour la Super Coupe. Ah, il faut espérer, hein. Et Lamine Yamal, que dire à part que c'est l'homme du match? Encore lui qui allume la lumière. Certes, Lewandowski fait le plus dur. Certes, Gundogan lui met une galette. Mais le but de Rafinha, c'est une petite passe au filet, comme le faisait Lionel Messi à l'époque. C'est un but sublime. Petite touche en une touche. Voilà, il a été virevoltant. Il a été percutant. Il a créé énormément de décalage. Il a fait des actions individuelles de grande classe. Vraiment, qui est cet homme? Qui est ce jeune homme même? Qui est cet adolescent? C'est une folie le match qu'il fait. Vraiment, j'ai kiffé le match de Yamal. Et il est homme du match pour moi. Il est homme du match officiel. Il est homme du match pour Flash Score. Il n'y a pas de débat. C'est encore lui qui allume la lumière, quoi. C'est assez fou. Voilà. C'est quand même dingue que ça soit un gosse de 16 ans qui est obligé de faire ce que les expérimentés ne font pas. Alors, aujourd'hui,
Frodevar, c'est ce que je répète semaine après semaine. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas normal dans un club comme le Barça que ton meilleur élément, ça soit un gosse. On est bien d'accord qu'il y a un gros souci. Voilà. C'est pas logique. Après ce soir, je vais nuancer. C'est le meilleur. Mais Rafinha fait un très bon match. Et Lewandowski aussi fait un bon match. Donc, je vais nuancer. Tu vois, des fois, Rafinha, il est pas bon. Des fois, Lewandowski, il est pas bon. Et t'as que Yamal qui est bon. Et là, c'est beaucoup plus inquiétant. Mais ce soir, honnêtement, les trois offensifs ont fait un bon match. Donc, je vais nuancer un petit peu. Mais en vrai, ce que tu dis, je suis totalement d'accord avec toi. À un moment donné, on parle d'un club comme le Barça. On n'est pas en train de parler de Sochaux, par exemple, tu vois. Sochaux, par exemple, qui est un petit club, qui a que des jeunes, qui mise justement sur ces jeunes. Ben, que le meilleur, ça soit un jeune, c'est logique. Parce que tu mises sur ces joueurs-là. Le Barça, dans la logique des choses, surtout offensivement, c'est pas logique que ça soit ce jeune adolescent qui soit le meilleur joueur. Mais le problème, c'est le problème. Tant mieux. Il sait bien qu'il y a un joueur qui se détache, tu vois. Mais c'est récurrent et c'est quand même alarmant de se dire que ce gosse-là, c'est le meilleur, quoi. C'est parce que là, tu es en train de presque trop le faire jouer. C'est un joueur qui devrait être un peu plus dans la rotation. Mais Xavi, il est obligé de l'aligner à chaque fois parce que c'est le plus fort. Normalement, il y a mal de temps en temps, il doit être remplaçant. Il doit permuter avec Félix, avec Ferran. Mais non, il est tellement fort, tu ne peux pas l'enlever en fait. C'est impossible. Il est trop fort. Sur la saison en global, c'est quand même Yamal qui sort du lot. Ah ben clairement, sur la saison globale, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est là où je dis, semaine après semaine, je le répète, c'est pas normal que ça soit lui le meilleur. Mais voilà, ce soir, je dis bien ce soir, je nuance le fait où, voilà, offensivement, je trouve que les trois ont été bons. Et Rafinha, il y a une mention à faire sur lui. Depuis la double confrontation contre le Paris Saint-Germain, il fait d'ailleurs une double confrontation de grande classe et il est quand même bien. Là où d'autres joueurs ont sombré un petit peu, je pense à Araujo, je pense à Cubarsí qui est un petit peu moins bien, même si aujourd'hui il fait un bon match. Je pense à Cancelo qui est en train de sombrer. Rafinha, lui, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Je sens qu'il va finir comme Pedri avec des blessures. Ben, c'est le risque. Le problème, c'est que tu le fais peut-être trop jouer à un jeune âge. On risque ça. C'est sûr. Peut-être qu'il sera pas blessé, peut-être que. Mais le fait qu'il joue autant, dans la logique, il devrait être plus dans la rotation. Toi, il devrait être titulaire un match sur deux, un match sur trois. Qu'il joue tous les matchs, ça c'est normal. Vu le talent qu'il est en train de montrer, c'est normal. Mais qu'il soit titulaire à chaque fois, c'est pas forcément normal. Et là, il a encore joué 90 minutes. C'est. Tu vois, de temps en temps, ménage-le. Toi là, on joue Almeria jeudi. La vérité, fais tourner. Mets Lewandowski, parce qu'il l'a sorti à la 75e, il le mettra. Mets Lewandowski, mets Ferran Torres, mets Joao Félix. Et fais rentrer Roquet, s'il te plaît. Mais voilà, il y a mal, faut le ménager un peu plus, quoi. Des fois, j'aimerais qu'il soit remplaçant et qu'il rentre juste 20 minutes. On verra. Sans surprise, le meilleur joueur de la Ligue 1 est Kylian Mbappé. Sans surprise, comme tu dis, Carolo. Pour moi, il devrait jouer comme le fait Brahim pour le moment. Après, Brahim, c'est différent parce que Rodrigo et Vinicius, ils sont stratosphériques. Si Brahim mériterait d'être titulaire, il le serait, tu vois. Après, tu peux pas enlever Rodrigo et Vinicius, même si Brahim, il est extraordinaire aussi. Hein. Brahim, il est extraordinaire. C'est un gars qui devrait être titulaire hein, dans n'importe quel club, vu ce qu'il est en train de montrer. Mais toi, là, le truc, c'est qu'Yamal, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Le Barça est en difficulté. Le Barça est pas assuré d'être deuxième. Bah, qu'est-ce que tu fais? T'alignes ton meilleur joueur. Même s'il a 16 ans, tu vois, t'as pas le choix. Même si c'est un petit peu trop redondant, t'es obligé de systématiquement le faire jouer, mais t'as pas le choix. T'es dans une situation où t'es pas en train de faire une très bonne saison, t'es pas assuré d'être deuxième, bah qu'est-ce que tu fais pour te rassurer? T'alignes ton meilleur joueur qui est un gosse de 16 ans. Voilà. Là où Brahim, ça reste un joueur, un très bon joueur, mais c'est pas le meilleur joueur de son équipe, tu vois. Mais oui, dans le sens que tu dis, t'as totalement raison. Il devrait avoir le temps de jeu d'un Brahim. Après, peut-être un peu plus titulaire que Brahim par rapport au fait que nous, offensivement, il n'y a pas des cracks. Si t'enlèves Yamal, tu te retrouves avec Ferran et Félix. C'est beaucoup trop inconstant, mais je suis totalement d'accord en termes de minutes, en termes de. Il pourrait avoir un peu plus un temps de jeu comme ça. Alors, si je fais les tops et les flops côté barcelonais, la vérité, je vois pas de flop, hein. Je vais mettre Cancelo. Parce que Cancelo, il a du mal à s'en remettre de cette élimination contre le PSG, donc je mets Cancelo. Mais les gars, c'est un petit flop, hein. Vraiment, c'est un petit flop. C'est un flopounet. Il a été moins bien, mais c'est clairement pas un flop, genre c'est pas le flop du match, ou c'est pas. Enfin voilà, c'est un petit flop. Sinon, les gars, ils ont à peu près tous été bien. L'homme du match, c'est Yamal, pas de débat. Rafinha, juste en dessous. Juste en dessous, parce que j'ai adoré son match. Et mention pour Lewandowski, qui fait un très très bon match. Sans avoir été buteur. Et Koundé, les gars, je le mets dans les bons, hein, parce que Koundé fait un excellent match. Cubarsí, les 35 premières minutes, c'est un flop. Derrière,
Excellent. Excellent. Puis après, voilà, on a déjà résumé les autres. Les autres ont été bons. Le Barça fait un match quand même cohérent, même si c'était pas flamboyant. On va passer à la Sociedad. Je veux dire que ça rentre à la 70, cette issue dans les matchs plus importants, si besoin, mais si tu l'as un match sur deux, ça serait bien. Ouais, voilà, oui, pour le préserver un petit peu et le protéger un petit peu. Après, le problème, c'est que les autres sont pas assez bons, quoi. Tu vois, Ferran, Félix. Mais toi, là, ce que tu dis, la rotation devrait se faire avec un mec comme Roquet. Tu devrais les intervertir les deux. C'est comme Roquet. Moi, Roquet, tu vois, il devrait avoir du temps de jeu, il devrait jouer 20 minutes par match. Que tu ne le mettes pas titulaire, que tu le mettes titulaire un match sur 4, je m'en fous. Mais Roquet, il doit jouer. Tu dois le faire rentrer 10-15 minutes à tous les matchs minimum. Roquet devrait être dans cette rotation pour faire souffler Yamal, par exemple. Enfin bon. Remiro, les gars, donc Remiro qui, pour moi, fait un match correct malgré tout. Il fait quand même des parades, il a un jeu au pied plutôt intéressant. Après, voilà, il prend deux buts. Bon, il a quand même fait des arrêts. Puis est-ce qu'il y peut grand-chose, les gars, sur un penalty, c'est compliqué. Et sur le but de Yamal, les gars, Yamal, il fait une passe au filet. Donc voilà, Remiro, il fait son match, hein, il n'est pas fautif sur les deux buts. La défense basque a été solide, les gars, ils ont des faibles notes, hein, mais les trois ont été solides, ça a été très rugueux, ils ont été au charbon contre Lewandowski. Par moments, ils ont été en souffrance sur les couloirs, hein, quand Yamal allait fixer, quand Rafinha met des grands ponts, etc. Ça a été un peu compliqué. Elustondo et puis Pacheco un petit peu plus en difficulté peut-être que le Normand qui est un peu moins exposé du coup. Mais ils ont quand même fait un match plutôt solide, hein, voilà, notamment dans la première demi-heure. Alors par contre, au milieu de terrain, j'ai bien aimé le match de Torrientes et de Merino. Merino, les gars, très très bon match de Merino. Très très bon match. Un petit peu essoufflé en fin de match, mais c'est un super joueur. C'est un super joueur. Le match qu'il fait, les 30 premières minutes de Merino, c'est de grande classe. Il a pondu 30 minutes. Pendant 30 minutes, c'était une masterclass. Voilà. Merino, pendant 30 minutes, c'est masterclass. Après, derrière, il a sombré. Mais je le mets dans les meilleurs côté basque. Et sûrement le meilleur côté basque. Torrientes, pas mal aussi. Un petit peu en dessous quand même, mais pas mal aussi. Après, Aramburu. Ah, les gars, Aramburu, il a presque fait que défendre, hein. Traoré, on l'a presque plus vu qu'Aramburu offensivement. Traoré fait un match correct aussi. Il a amené pas mal de centres. Il a beaucoup proposé sur son couloir. J'ai trouvé Traoré bien plus présent qu'Aramburu de l'autre côté. Les PP82 Incre, j'en ai fait 20, 14 animes, dont Dona et Golovin. GG, je sais que le contenu de ce soir, je sais même pas. Je sais même pas qu'est-ce qui est sorti en SBC. Je sais absolument rien. Je verrai demain, parce que demain, de toute façon, on fera les playoffs et on fera du pack. Je sais absolument pas ce qui est sorti. Kylian Mbappé cite pratiquement tout le monde au staff, coach, investisseur, mais pas un mot sur le président. Mais j'ai lu que hier, il y aurait une altercation avec Nasser. Il y aurait une altercation avec Nasser. C'est beau, hein? Belle mentalité, Kylian. Ça va faire quoi? Ça va jouer sur les mots? Oui, Nasser, il m'a forcé à rester. Ouais. Nasser, frère, il te fait des chèques à 80 millions à l'année. Tu pourrais lui dire merci quand même, hein. Il t'a pas mis le couteau sous la gorge pour rester. Enfin bref. Brais Mendes, bon match. Enfin, j'ai bien aimé le match de Brais Mendes. Pour moi, Merino, je l'aime au-dessus parce qu'il est capable de faire beaucoup plus qu'un Brais Mendes sur le match. Mais Brais Mendes, les gars, il était bon, hein. Il a quand même loupé une action un petit peu. Voilà, il doit faire mieux sur la mauvaise relance de Gundogan. Franchement, il doit tuer. Il loupe, il fait le plus dur sur le crochet derrière, il croise beaucoup trop sa frappe. Mais ouais, bon match de Brice Mendes dans l'ensemble. Oyarzabal un petit peu discret. Après, voilà, ça a toujours un bon toucher de balle. Hein, et ça reste un bon joueur, mais il a été un peu discret. Et Becker, il a fait une bonne première mi-temps. Il a mis au supplice Koubarsi. Et après, en deuxième mi-temps, on l'a plus vu. Parce que justement, Koubarsi la pocket. Voilà. Donc si on doit faire les tops et les flops. C'est dur de trouver des flops, la vérité, côté basque quand même, hein, parce qu'ils ont quand même fait un match. Je vous dis, techniquement, c'était très propre, hein, ce qu'ils ont proposé, les Basques. Hein. Après, ça a manqué de risque. Voilà. Faut être honnête. Que dire? Ben, top, moi j'ai envie de mettre Merino. Mendes, un petit peu en dessous. Becker, correct. Traoré, correct. Après, le reste, peut-être un Torrientes aussi, correct. Après, un petit peu en dessous, les autres. Mais enfin, ils ont tous été corrects dans l'ensemble. Ce côté plus mis à contribution, en vrai, c'est Pacheco et Elustondo. Et après, voilà, Aramburu, en vrai, on pourrait dire flop, parce que t'en attends peut-être plus, tu vois. Un mec comme Traoré a carrément été plus présent offensivement, quoi. À gauche, c'était très faible. Après, voilà, hein, il a été supplice par Yamal aussi. C'est peut-être ceci explique cela. Ça a chauffé à Skip, Nasser n'a pas toléré le fait qu'il parte libre, donc depuis qu'il lui a annoncé son départ, c'est chaud bouillant. Pour le moment, ça n'a pas été confirmé, l'altercation. Ils confirmeront pas, c'est des infos juste pour pourrir les réputations, donc ils veulent pas se cacher. Ils veulent pas, ça se cache. Oui, non, ça c'est sûr. Ils préfèrent cacher ce genre d'infos, puis c'est cohérent, tu vois, ils vont pas assumer, oui, il y a bien une altercation. Mbappé va pas prendre la parole en disant, oui, il y a une altercation avec Nasser. Mais moi, les gars, ça me désole, je me dis, t'as quand même sur un mec qui te signe des chèques à 80 millions,
Il t'a fait le mercato que tu voulais. T'as voulu que Neymar, il dégage. Neymar, il a dégagé. Enfin, s'il te plaît, quoi, Mbappé. Sois un minimum reconnaissant. Sois un minimum reconnaissant. Ah bah, je vous étais, je la page. De toute façon, les gars, on a fait le tour. On va terminer par un petit raid, les gars. Restez présents. Comme d'habitude, le stream sera dispo en replay demain sur la chaîne YouTube. Je vous mets le point d'exclamation vidéo, les gars. J'ai fait une vidéo spéciale, une vidéo un petit peu coup de gueule sur eSport FC en soutien à Passion Gaming. N'hésitez pas à aller la checker, à aller poser le like, à la partager. C'est important, les gars. Je vous ai mis le point d'exclamation. Et on va terminer par un petit raid des familles. Je vais aller raid un frérot socialien. Demain, les gars, on se retrouvera pour un stream FIFA. Demain après-midi, on fera les playoffs. Demain, je suggère la réac. Non, je vais pas faire le réac demain. Parce que je vais réac mercredi, puis dimanche. Non, demain, je fais pas le réal. Ça m'enchante guère. De toute façon, le réal est champion. Le réal est en roue libre. Pas d'enjeu. Et puis, tu sais que le réal, ça va forcément moins m'attirer que. En plus, à 21h30, je crois. Non, la vérité. Je suis navré, mais je ferai pas le Real Madrid. Tu m'envoies la finale. Oui, là, bah, la finale Champions League, oui. La finale Champions League, oui. Les finales Europa League et Champions League, je l'ai fait. Je suis obligé. Je suis obligé, les gars. En plus, on a fait tous les demi-finales. Finale Europa League, finale Champions League, je fais. Finale Coupe de France aussi. Après, la finale de la Coupe anglaise, vu que c'est sur beIN, il faudrait que je voie et ça tombe quand. Peut-être que je la ferai aussi. Les gars, je vais vous envoyer chez J-Drum, le frérot. C'est un socialien. Il est en train de faire du club pro avec la matinale foot. Hein. Si vous connaissez la matinale foot, les gars, c'est du stream foot. Ça gère l'actu footballistique. C'est tous les matins. Donc là, c'est un de ses modos et fidèle abonné. Donc je vous envoie chez lui. Il est en train de faire du club pro. Faire ça en voc avec les fidèles, qu'on te casse les oreilles. Oh, parfait. Ouais, super. Non, c'est pas envie que ça soit Bagdad, bande de fraude. Allez, ciao, ciao, les gars. Bonne soirée à tous. À demain. Et merci de votre soutien. Bye bye.